boss qui vous parle. J'en ai assez d'attendre. Je veux ce Pikachu. Cette fois, vous avez intérêt à réussir. Nous sommes de retour. N'importe qui. Inventeur, une nouvelle monarchie. Je serai roi. Je serai reine. Et moi le bouffon. Quelle déveine. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Afin de rallier tous les peuples à notre nation. Afin de dénoncer l'amour et la vérité. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Jesse. James. Le Team Rocket, plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous ou ce sera la guerre. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Pour vous jouer. Pour vous jouer un mauvais tour. La Team Rocket est une bande de roublards qui veut capturer tous les Pokémon rares. Je suis si belle. Et moi si particulier. Vous n'êtes que des pions sur mon échiquier. Pikachu. Nous sommes les plus terrifiants. Personne n'est aussi méchant. Tout le monde nous craint, sauf ces sales morveux. Ah, ces sales morveux. On creuse des trous partout. Personne ne tombe dedans, sauf nous. Mais on les aura. On est astucieux. Cette fois, ça risque de fonctionner. Est-ce que vous avez fini de jacasser? Ils arrivent! Nous sommes de retour. Oh là là, quel marathon! Quel marathon exceptionnel! Il aura fallu aller mettre le micro-ondes juste pour aller chercher le chocolat chaud et se poser. Yo, bonjour! Bonjour Lolo Kameute Akala. J'espère que je l'ai bien prononcé du premier coup. Jolie introduction, mais merci, hein, évidemment. Je t'ai chauffé à 1h du matin pour faire cette chose. Je ne regrette rien. Je ne regrette absolument rien. Et yo, Shabba, oui, bonjour, exceptionnel, le bon Shabba Loutre qui est là aussi, qui va pouvoir nous conseiller, mesdames et messieurs. Je sais pas si on aura besoin de conseils, parce que l'aventure au FC Grenoble a débuté la semaine dernière, on a été recruté pour essayer de sauver le club. On avait bien commencé nos trois premiers matchs qui étaient très compliqués de mémoire, qui étaient face à des leaders du championnat, du FC Grenoble qui était en crise, qui était 19ème de Ligue 2.
Donc il fallait remonter un peu le club. On avait trois matchs très compliqués. Et ces matchs se sont bien passés, finalement. On a pu s'en sortir de la meilleure des façons. Je crois qu'on a fait deux matchs nuls, une victoire. Contre Troyes qui était leader, contre Ajaccio qui était quatrième. Donc pas trop mal. Là, on va avoir des matchs un peu plus faciles. Je crois qu'on a un match face au FC Sochaux-Montbéliard. Assez triste, mais il va falloir aller taper le FC Sochaux-Montbéliard qui est 20e, qui est dans la sauce. Lolo TKT, ça ira, pas de soucis. Pas de soucis, juste Lolo. Et ben, je lance le jeu. On est parti. J'avoue que j'ai lancé très rapidement. J'ai pris un extra bain de sommeil après avoir veillé tard hier soir. La Wii n'est plus de ce monde. J'avais fait ce stream à ces horaires pour me dire au moins le samedi matin, je ferai la Wii. Si je commence à 9h. Bah finalement, il est 10h16, donc commence à peine les résolutions de Wii qui ont déjà disparu. Coup dur pour Pumpkin Man. Je compte un peu la zik. Ambiance pas du tout chill ce matin, ambiance dance, ambiance disco. Deux doigts de fermer les volets, de mettre les néons. Let's go. Bon, le jeu est en train de charger. Donc on en était là, on a pris une carrière en journeyman. Où on espérait se faire recruter dans un club de Ligue 2, ça a été le cas, on est au FC Grenoble, qui est 19e, il faut les sauver, ça se passe pas trop mal. Là on est je crois 17e du coup, après nos trois premiers matchs assez moyens, mais on est bon. Ça marche, mais merci Lolo, j'ai pas vu l'alerte follow du coup, mais merci à toi. Merci à toi, surtout qu'on va pouvoir passer in-game maintenant. On va pouvoir passer in-game, dès que ce jeu de mort aura chargé. Et c'est maintenant. Pas encore. Alors, FM 21 prend énormément de temps à charger, je trouve, par rapport aux autres FM, à moins que ce soit le fait d'être en live et tout en même temps. Je vais aussi déjà vous mettre le in-game. Le jeu arrive, vous inquiétez pas, ça me laisse juste le temps de mettre en LV. J'ai remarqué aussi que mon PC avait du mal à tenir, alors que je suis juste en live 1080p30, il avait du mal à tenir le très élevé. J'avais des problèmes la semaine dernière, on s'était mis en moyen, je pense que je vais pas prendre de risque, je vais rester en moyen. Je ferai des thèmes. Oh non, j'oublie qu'il fallait pas que je fasse confirmer. J'ai rien changé. Évidemment, vu que j'ai les packs de logo, les packs de visage, forcément ça reset tout. Je joue à Darkest Dungeon en même temps, niveau musique, c'est assez perturbant le mélange. Darkest Dungeon version dance. Darkest Dungeon version Synthwave. On est 80. Je suis en S4 avec Bordeaux. Et alors, ça se passe comment la S4? S4 avec Bordeaux, comment ça va peut-être pouvoir faire de jolies choses là? Un skateboard de Bordeaux, il y a du beau potentiel, je pense. Hein. C'est un bon club. Ah, let's go. Chercher dresseur Maurice Pochettino. Il est là. Il est exceptionnel. Il est beau gosse. Et il a un costume Pikachu. Ça, c'est incroyable. Il est exceptionnel. Le dresseur Maurice Pochettino. Alors, nous voilà. Donc, c'était ça. Calendrier. Nous, on est arrivé pour le match face à Caen. Donc, avant tout ça, c'était Philippe Hinchberger qui a un peu ruiné la saison de Grenoble, on va pas se mentir. Nous, on a fait trois matchs là. Ah oui, on a fait une défaite contre Troyes très douloureuse alors qu'on s'était bien battu. On menait même 1-0, on a perdu 2-1 contre le leader troyen. C'était assez dur. Match d'ouverture contre Caen, pas facile, mais on a réussi à aller chercher le match nul après avoir mené pendant une minute. Aucun mental. Là, c'est pareil, on a mené pendant 10 minutes. Et là, face à Ajaccio, par contre, on a réussi à tenir notre avance. On s'est fait peur avec Gareth Courtel à la 66e. Mais Yorick Ravet est notre carry cette saison. Quel homme sur ses trois premiers matchs. 7,8, 7,3, 7,9. Il est exceptionnel. Et je pense qu'il va nous carry le bon Yorick Ravet. Du coup, là, on a des matchs plus faciles qui arrivent. Pau, Aubagne, Chambly. Je ne vous cache pas que c'est un peu plus facile que Caen 3 Ajaccio. Et après, il va falloir bien se préparer contre le FCSM. Puisque le FCSM est notre rival. En fin de classement avec Niort, avec Le Havre. Vous le voyez, on est là. On avait 11 points, on n'est pas encore très safe. Hein, mais vous voyez, on n'est même pas à la moitié du championnat. Donc, je pense que le maintien, ça va le faire. Ça va le faire. Mon objectif, éviter la relégation, ça devrait le faire. Je pense pas que ce sera trop dur. J'ai tout gagné. Même la Ligue des Champions. J'ai tout gagné. Même la Ligue des Champions, j'espère. Alors... Les progrès de... Je veux pas qu'il s'entraîne en milieu en régression. Comment ça, Yorick Ravet en régression? Puis je veux pas qu'il s'entraîne en 10, moi. Moi, je le joue en... Bah, je le joue milieu offensif droit. Et il est très bon, Yorick Ravet. Donc, tu vas rester milieu offensif droit, frérot. Après, il est pas mauvais en 10 aussi. Hein. Après, je joue 110 dans ma tactique. Donc, peut-être pas mal. Je vais laisser continuer de s'entraîner en 10. C'est jamais. Peut-être que j'en aurai un. Oh, Charles Piquet, là...
Monaco intéressé? Je le vends tous les jours. Hein. Je le vends tous les jours, Charles Piquel, hein, vu le match qu'il m'a fait. Vu le 6-42 qui se tape. Je le vends tous les jours. Avec Nestor qui a ses diplômes, ça c'est bien, j'ai mon directeur technique. Je sais pas où on en est niveau staff aussi, mais je crois qu'on n'a pas beaucoup de masse salariale. Ah, si, on a un petit peu de masse salariale quand même. Je pense que ça peut être l'occasion de se staffer, surtout niveau recrutement. On a 3 recruteurs, c'est pas terrible. On a les préparateurs et tout, on n'a pas juste pas les analystes. Ah, j'aime bien avoir un gros staff, mais là je pense que c'est suffisant. Je pense que c'est suffisant. Ça devrait aller. Vivement janvier pour te faire piller des bons joueurs. Pour... ben, pour se faire payer des bons joueurs, faudrait déjà avoir des bons joueurs. Faut pas se mentir que là, bon, l'effectif est ok, mais on a Manuel Pérez, qui est pas mauvais. En plus, il fait une bonne saison. Hein. On a Yuri Kravé et Manuel Pérez, qui ont un niveau Ligue 2. Ligue 2 moyen, quoi. Puis après, ouais, bon, c'est. Moussa JT qui a un bon potentiel. Sinon. Ouais. Bah sinon, ouais. C'est plus compliqué l'effectif de Grenoble. Le truc, c'est que je peux pas trop recruter, quoi. On n'a pas. C'est pas fou. C'est pas fou l'argent. Puis bon, l'effectif me satisfait, en fait. À part Abou Demba, je sais pas comment le jouer, même si j'aime beaucoup son profil. Mais l'effectif me va. Il y a juste Brice Maubleu, faut qu'Oka j'y fasse mieux parce que. Regardez-moi ça. Il a 6,6 de moyenne, ce gardien. Un gardien, il est en prêt. Christensen est en prêt et il n'est pas si bon. J'avais regardé ses trucs. Et il est prêté au PSV et il n'est pas, ouais, il est pas exceptionnel. Il n'est pas exceptionnel, mais ça va. Pour le Grenoble, ça va. Surtout, il est joué 10, quoi. Et j'ai pas de 10 actuellement. Mais il est en prêt. C'est pas moi qui ai décidé de l'envoyer en prêt. Il était déjà parti en prêt. Unlucky. Unlucky. Mais par contre, ce qui est terrible, c'est que c'est le capitaine, en plus Brice Maubleu, capitaine, leader d'effectif. J'ai pas osé le bench, mais 6,6. J'étais à deux doigts de recruter Erwin Zelazny, rendez-vous compte. Bon, finalement, il m'a sorti une bonne presta, je crois qu'il a tapé un 6,9 au premier match. Mais là, tu vois, 6,6. Là, il a refait un 6,8, bon, mais Brice Maubleu, c'est compliqué, quoi. La saison à 6,6, le mec est en train de ruiner le... Il est en train de ruiner le FC Grenoble, quoi, genre... Alors que c'est le capitaine. Je lui ai déjà dit et tout, frérot, faut mieux jouer quand même. Je crois que t'es capitaine, ton club est 19ème, il va falloir mieux jouer. Pareil, j'ai Terrell Ondane en prêt, c'est agaçant. C'est agaçant. Bon, les contrats. Espire dans les 12 prochains mois, mais dans les 6 prochains mois peut-être, non? On va peut-être les renouveler ces contrats, parce que là, ça va être des joueurs qui vont partir libres. On va peut-être s'en occuper. J'ai pas envie qu'ils partent libres. On a une petite marge de manœuvre. Très petite. Mais j'ai pas envie qu'ils partent libres. Et là... On est le 3 décembre, donc au 1er janvier, ils pourront partir libre. Enfin, 30 janvier, du coup. Donc voilà. Yoni Kozma. J'espère que tu aimes le foot. On espère qu'on aime le foot. Ici, il faut que je fasse une soundboard. Il faudrait que je prenne les chants de supporters du FC Grenoble. Ça, je ne l'ai pas fait. Mais il me faut des chants de supporters du FC Grenoble. J'ai déjà lancé aussi la soundboard, by the way. En parlant de chants de supporters, on va déjà commencer par la soundboard. La soundboard exceptionnelle. Mais ok, on va faire des petits recrutements de. Enfin, je vais laisser l'adjoint faire les contrats en vrai. Je vais pas. Prendre du temps, je vais pas vous embêter avec ça. Mais Ondan, mais Jesse Benet, il est vraiment aussi bon que ça. Ouais, quand même. Bah, c'est surtout qu'on a pas envie de les partir en libre. Après, je sais qu'en philosophie du club, c'est des contrats de 2 ans. Parce que j'ai envie de donner un contrat de 2 ans à Jesse Benet, à Terrell Ondan et tout. Sachant que Terrell Ondan, c'est juste un mec qui court vite et qui a un bon appel de balle. C'est tout. Il s'entre même pas bien. C'est tout. Il court. Il court et il passe la balle. Il est déterminé au moins. Un bon profil pour la Ligue 2. Bah du coup, j'ai envie de renouveler les contrats de ces, au moins de ces 3 messieurs-là. Paf. Et Willy Semedo, Hakim Abdallah, tout ça, je verrai. Hakim Abdallah, Abou Demba, je pense que je vais renouveler. Mais je vais attendre de voir le mercato et de voir comment ça se passe. Avant d'être sûr de renouveler. Hop, let's go. Prénom de recrutant. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas encore fait ça. J'ai vu que c'est la première fois que je joue au 2021. J'ai pas encore fait. Je me casse. Ouais, c'est ça. Merci Nico d'être venu. Hein. Incroyable. Ok, je... alors j'ai jamais fait encore de réunion de recrutement. C'est une nouveauté de FM 2021. Et je vais pouvoir regarder cette nouveauté. De quoi est-ce qu'on a besoin? Je regarde un petit peu. Je regarde un petit peu les postes. Les latéraux, c'est ok. On a Mombris, Abou Demba, c'est ok. J'aimerais bien changer Maubleu, même s'il est capitaine, il est éclaté au sol. On n'a pas de bon milieu défensif, dans le sens où Benet Pérez sont déjà là. Et Piquel est pas bon. Hein. Piquel, il est censé progresser, mais il a déjà 23 ans. Quoi. Donc à un moment,
Normalement, voilà, au milieu, on est bien. J'aimerais bien 10. J'aimerais bien 10, même si je joue sans 10. Bien d'avoir un peu de profondeur. Milieu offensif gauche, c'est compliqué. On a Moussa Djité qui a un bon potentiel, mais il fait pas des bonnes games. Et évidemment, en pointe, on a Achille Anani. Achille Anani qui est pas mauvais, mais en soi, si on pouvait avoir un meilleur buteur, je dis pas non. Bon, réunion de recrutement. C'est sympa en vrai. Qu'est-ce qui est sympa? Tout est sympa. T'as cru que je venais pour le foot? Non, je viens pour Denis Brognard. Alors, il n'est pas ici, Denis Brognard. Mais j'avais dit que dans le live FM du samedi matin, on débrieferait un peu Koh-Lanta, évidemment. Parce que quel épisode, quel début de saison encore hier. Exceptionnel. J'ai organisé cette réunion car le mercato va débuter et je souhaite que nous nous entendions sur nos intentions en matière de transfert. Du coup, est-ce que le directeur sportif a plus d'importance? Parce que dans les derniers FM, le directeur sportif, à part déléguer les renouvellements de contrat, il sert à rien. Donc là, il sera peut-être un peu plus contraignant. Je sais dans quel domaine nous avons besoin de renforcer, je suis prêt à m'occuper de me recrutement moi-même au cours de ce mercato. Pour donc mettre fin à cette réunion maintenant. Waouh! Le budget! Le budget! Alors, j'ai dit un domaine. Moussa Djité suscite de l'intérêt. Il serait peut-être bon de lui chercher un remplacement en cas de départ. Le contrat de Will Semedo arrive à son terme. Il serait donc prudent d'envisager une alternative. Ça s'en bat les couilles. Le contrat de Jessif Bene arrive à son terme. Il serait donc prudent d'envisager une alternative. Le contrat de Loïc Nestor arrive à son terme. Il serait donc prudent d'en autre. Yes. Et bah moi, j'aimerais bien engager une discussion sur. Je peux pas. Eh ben, nique. Bah d'accord. C'est une liste intéressante, mais je préfère consulter ses rapports au centre de recrutement. Bah ouais, c'est pas. J'ai pas envie de. Ouais. J'ai pas envie d'avoir un recrutement comme ça, moi. Ouais. Tu sais quoi? Je teste. Allons-y. Voici une vue d'ensemble de l'effectif. Afin de le renforcer, nous sommes intéressés au domaine suivant. Joueur à l'aise à notre niveau, joueur au poste d'avant-centre pouvant évoluer comme attaquant avancé. Dans l'effectif actuel, ouais. Ah bah oui, il y a lui qui peut revenir de près, à Christensen aussi. Ouais, non, mais c'est bon. Nous n'avons pas de problème à ce poste. Bon, c'est le poste de buteur centre. J'ai David Hennen aussi, mais il a des très mauvaises notes. Il a fait un très mauvais début de saison. Voilà. Mais les besoins, il te les présente. Ouais, je vois ça. T'as vu les pompes au WL Champions SF Shock? Ah non, j'ai pas vu. J'ai pas vu, mais ça doit être stylé. Ça doit être annoncé quand? Ça doit être bien sympa. Bon. On n'a pas de problème au poste d'avant-centre. En soi, je suis prêt à faire confiance à Achille Anani. Il a 7-11, même s'il n'a pas des stats exceptionnelles, on va pas se mentir. Je suis prêt à lui faire confiance. Même s'il nous faudra mieux. Hein. Dès qu'on aura du budget, il faudra mieux faire que Achille Anani. Mais, problème à ce poste. Ah oui, ok, d'accord. Et tu fais un par un les. Ok. Meneur de jeu centre. Ça, par contre, j'ai Florent Michel et Belmonte qui doivent partir. Il me faut un milieu centre. Il me faut un milieu centre. Il me faut un milieu centre parce que j'ai pas de remplaçant et c'est terrible. Tristan Mouyumba, ouais. Pas cher. C'est quand on comptera. En fin de contrat. Elle me disputait les gros matchs. À l'aise à au moins deux postes. Des attributs pas trop dégueux pour un remplaçant. Tu vois, si je le mets en remplaçant, avec un peu de progression. Pas un gros salaire. Allez, vas-y, go. Dylan Beaulieu, on le connaît pas. On peut voir ses stats. Bah, il est un peu moche. Ouais. Hop, hop, hop. Joey Kobo. Ah, les stats aussi, hein. Les stats, hein. Oh, les stats, hein. Oh, le 8 en concentration, il fait mal, hein. Le 4 en courage pour un milieu, coup dur, hein. Papé Matarsar. Ah, liste des prêts. Intéressant. Oh, le 18 en défense verticale. Exceptionnel. Le monstre. Le monstre sénégalais. Contrôle de balle, dribble, marquage, passe. Franchement. Ouais, 9 en décision quand même, 9 en concentration. Mais en prêt. Ah, 7 en endurance. Franchement, en prêt. Allez. Fais mon petit rapport. Moustapha Capi. Liste des prêts. Ouais, non, 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 dégueulasse. Ravelozon. Ravelozon qui arrive en fin de contrat. Ravelozon. Après, parce que j'ai pas l'argent pour payer Ravelozon, moi. Hein. Et surtout, il n'a pas des stats non plus. Bon, si, quand même. Il a des stats très complètes de milieu, quoi. Mais j'ai pas l'argent pour payer Ravelozon, on va pas se mentir. Mais ça ferait du bien au milieu de terrain. Après, j'ai déjà deux milieux titulaires. Moi, il me faut vraiment un remplaçant. Rolly Pereira de ça.
Ouais, fin de contrat. Maybe en fin de contrat, ça peut se faire. Bon, après, c'est un mec rapide en milieu de terrain. J'aime pas trop les mecs rapides en milieu de terrain. Enfin, pour moi, les mecs rapides, c'est les ailiers. Loïc Nestor, là, mon frère. Jules Sylvestre Braque. Il a du potentiel, lui, je crois. Ouais, un peu, mais. C'est compliqué la défense. Ouais, non, en vrai, j'ai Stralman aussi. Ça ira. Pas dégueu, Ravel Ozon pour la Ligue 2, c'est très bien. Yes, je l'avais avec 3 sur FM19. Ouais, il avait l'air pas trop mal pour la Ligue 2. Hein. Bah, pour la Ligue 2, quoi. Twilight a posté ce matin, c'est Godas. Ah, mais c'est genre, c'est des Godas qui mettent en vente au public ou c'est juste pour les joueurs? Ah, bah, Nikosma vient de répondre à ma question. Ravelozon, ça m'a l'air pas mal. Mais je pense là au milieu, bon. Problème, c'est que voilà, je fais ce mercato en me disant je pense à l'argent. Je pense à l'argent du FC Grenoble. C'est pas fou, quoi. On est vraiment sur un club de Ligue 2 moyen, quoi. Ils étaient placés combien les bookmakers mettaient le FC Grenoble? Ouais, 13e, quoi. Pour moi, Grenoble, je les ai toujours vus un peu plus haut, mais les recruteurs, enfin les bookmakers les mettaient 13e. Donc, Amiens 3e. Régis Gürtner! Le GOAT. Bon, ce qui est juste chiant, c'est que j'ai mis un putain de face pack et j'ai très peu de joueurs qui ont décodé leur visage. Mais c'est pas grave. Il arrive après une semaine de pause avant le match de Coupe de France face à Aubagne. Oh, j'ai même ça sur Florentin Pogba. Comment conseiller à Nancy d'être attentif à Pogba? Bien sûr, il faut toujours être attentif au GOAT Florentin Pogba. Qu'est-ce que je voulais voir? Je sais plus. Ah non, mais les 29! Ouais, mais j'avais dit que. Oh! J'ai pas les filtres. Filtres! Tous les mecs libres là. Oh là là, mais attendez. On va. En fin de contrat, Charbel Gomez. Oh là là, pas cher. Ouais, pas cher. Matt Farai, fin de contrat. Oh, pas mal en 10. Très technique. Juste technique, quoi. On a pas mal. Pas mal, pas mal. Ok. Je retiens. Baptiste Amendy, j'avais déjà essayé de le prendre. Et oh, solide, hein. Franchement, en milieu défensif, solide, hein. De 20 ans. S'il demande que 15 000 de salaire, lui, il est déjà dans la sélection. Hein. Amine Tchiani. Jeune, bon, ok. Giuseppe Iglio. Oh, 19 ans. 2K. Pas mauvais en vrai. Par les 5 ans d'inspiration, quoi, mais il a 12 ans de tacle, donc c'est plutôt un milieu défensif. Ok. 13 en courage, 14 en détermination, 13 en agressivité. Ça me va. Bon, il est pas technique, hein, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Hein. C'est un milieu récupérateur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ne joue que d'un pied. Manque d'inspiration. Franchement, pourquoi pas? Joe Hardy. Je veux pas le bon du coup. Avant-centre de 22 ans. Ouais, c'est pas fou. Elie Wissa, liste des prêts. 15 ans de dribble. Avant-centre prometteur. Oh. J'aime bien un avant-centre comme ça dans cette tactique qui peut avoir une vraie capacité en dribble. Et en plus, pas mauvais en finition. Pas mauvais en appel de balle. Vitesse accélération correcte pour la Ligue 2. Pas mauvais, hein. Pas dégueu. Hein. Pas dégueu, Elie Wissa. On va demander un petit rapport. AFM, ouf. Ah ouais, là on est sur le renard des surfaces pur quoi. À part les 10 en appel de balle, c'est un peu chiant, mais. Par contre, le mental. Mais les 15 en finition, 15 en jeu de tête, 14 en dribble, ouais, c'est vraiment un vrai renard des surfaces quoi. Mais, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir un profil comme ça? Je suis pas sûr. Je ne pense pas. Kobe Guano. Bon, ça fait beaucoup là. Maxime Pélican. Il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, mais on regardera plus tard. Aziz Bazane, Tidjady Chabrol. Je regarde vite fait. 20 en détermination. Let's go. Lucas Perrin. El famoso Lucas Perrin. Bah, ça peut être pas mal de l'observer. Hein. S'il reste pas. C'est Douceau. Jean Ruiz. Mais Jean Ruiz, il est à Sochaux, Jean Ruiz, là. Cation maintenant, bien sûr, Jean Ruiz. On l'a vendu combien, Jean Ruiz? Non communiqué. Sochaux s'est fait cuck, hein, je pense, dans l'opération. C'était un bon jeune, hein, Jean Ruiz. Un super jeune qu'on avait. Maintenant, il joue à Sion. Quel enfer. Paf. 16 ans de tacle propre. 16 ans de dribble. 18 en puissance. Ah ouais.
Le 16 en dribble, 18 en puissance, il est assez drôle. J'aime bien. J'aime bien ce profil. On va demander un rapport. Je demande masse rapport alors que j'ai 3 recruteurs. Un enfer. Maxence Rivera, évidemment, Antonelli. Un vrai monégasque. Putain, un vrai monégasque. Bachir Diop. Trabé, Cédric Makoutougou, blablabla. Ricardo Roma, gardien de but. Non. Hop. Grenoble face à Pau. Ouais, Pau, il faut les taper là. Pau, ils sont en fin de classement. Pau. Non, ils sont 13e. Hein. Une bonne saison, Pau. Attention à Pau. Allez, jour de match là. Jour de match. Premier match de la journée. Va falloir bien commencer là. Entraînement, rapport. 6,93 à l'entraînement. Et il va falloir faire mieux les petits potes là. C'est quoi ça, Jules Sylvestre Brac, Esteban Sal, Jordi Gaspard? Bah alors? Jordi Gaspard, évidemment, FC Lyon. Hein. On est lyonnais. Allez, on met tout sur ce match. Et après, on ira aller taper au bagne. Match équipe première. Bah, tout le monde. Allez, allez-y. Allez, jour de match. Celle-là, Liverpool parle d'une prolongation. Tu veux pas venir à Grenoble plutôt, Mohamed Salah, hein? Tu vas venir à Grenoble, hein? Je vous le dis, moi. Je vous le dis, recrutement ambitieux. Hein. Ah, c'est vrai que ce truc de pré-match me perturbe. Ouais, les conseils. Ouais, cool, mec. J'en ai rien à foutre. Hop, ah, pardon, ah, excusez-moi, pardon. Oula. Oh, ils mettent la connaissance de la tactique pour chaque joueur, là, ça, c'est cool. Bon, on va laisser... alors... J'ai pas grand chose d'autre. On va laisser Piquel. J'ai envie de laisser à Piquel le temps de se prouver. On va mettre à bout Demba. Et mon Brice qui vont monter. Nestor Monfray en défense centrale, ça a fait ses preuves avec mot bleu. Benet, j'aime beaucoup le meneur de jeu avancé attaque quand t'es au milieu comme ça, puisqu'il pourra prendre la place du 10 en fait. Il va commencer sa course de là, il va prendre la place du 10. Perez en meneur de jeu en retrait, soutien. Le rôle que j'adore au milieu de terrain, meneur de jeu en retrait, soutien. Toujours très bon. JT qui va partir à l'intérieur. Yori Kravec est notre clutch player, on n'y touche pas. Et Anani qui est un peu plus compliqué, mais ça va le faire. On va jouer. Alors, on est à domicile, on va peut-être pas jouer en prudent, cela dit. On va continuer de faire des passes. Qu'est-ce que j'ai mis comme tactique, moi? Un peu plus direct, dédoublement à gauche. Jeu large. Un peu plus direct. Transfert vers le meneur de jeu, contrer. Relance rapide, ouais. Sans le ballon, forcer l'équipe adverse à jouer dans l'axe. Je sais pas s'il joue dans l'axe, Pau, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. On verra. On verra à l'ensemble du match. Qu'est-ce que j'ai mis comme tactique? Ok. Bon. D'accord. Est-ce que j'ai des joueurs qui ont des bons appels, bons en appel de balle? Ouais, en vrai, je peux passer dans les espaces. Hein. Clairement. Je peux totalement passer dans les espaces. S'il y en a. Ça se trouve, Pau joue super défensif. On va voir. Je cherche encore un peu ma tactique hein, avec Grenoble. Ah, des joueurs qui ont mauvaise connaissance. Je changeais la tactique juste avant le match. En plus, c'est le pire truc. Faut le faire avant parce que sinon, les joueurs n'ont pas le temps de bosser. Boudemba qui est content de se projeter. Ok. Let's go. Faut que je mette les chants de supporters grenoblois. Mais je les ai pas, malheureusement. Ok. Ils ont Kofi. Alors, je connais pas beaucoup de joueurs de Pau. Hein. Je vais pas vous mentir. Par Zahari, ça me dit vaguement quelque chose. Romain Armand, c'est le vrai Romain Armand ou... Non, c'est pas le même. Chaminade, j'ai déjà vu aussi. Et Erwin Kofi. Parce qu'on connaît Kofi. Je dois prendre du mal aussi. Main dans les poches, main sur les hanches. Assurance avec prudence. Main jointe. Je vais relâcher. Bon. J'explore un peu les consignes. Ok, c'est parti. Let's go Grenoble là. On est au stade des Alpes. C'est maintenant. Très beau stade hein, le stade des Alpes d'ailleurs. Un vrai beau stade. Quitté avec Benet. Ça m'a envoyé toute petite incursion. Faut les inquiéter. Les Palois. Ça va s'en manquer quand même. Ok. Bon, il joue comment d'ailleurs, parce que du coup j'ai pas regardé. Ça me frustre parce que du coup avec cet écran. Ah non, formation du Pau FC. Non mais c'est bien, ok. Miroir de 4-3-3, c'est parti.
Ok, c'était une minute. Énorme match de Ligue 2. Énorme match de Ligue 2, zéro tir. Un vrai beau match de Ligue 2, hein, de bas de tableau, ça. 3 corners, 0 tir, les gars, et oh. 3 corners, 0 tir. Voilà, petit coup franc de Bonnet. Travail d'entraînement, la petite touche pour Nestor. La petite touche pour Loïc Nestor. Ça suffit. Ça suffit. Let's go. Oh oui, Richard, regarde ça. C'est simplement fabuleux. Exceptionnel. Bon, exceptionnel, je suis combinaison, mais on espère même pas la petite tête. Juste petit coup de patte. Le deuxième tir du match. Let's go. Let's go, c'est bien ça. Et j'ai remonté ce qu'il y a de 7. J'ai remonté ce qu'il fait mal sur son côté. Ah, par contre, il est un peu là. Donc c'est à mi-temps. Oh, ben, ça combine bien avec un bout de balle au centre. JT était bien placé. Un genre de coup, hein, c'est coupé. Quand il a repris, je sais pas. Attention, on va tout rendu là. Touche rendu, les gars. Touche rendu, et là, ça va aller vite. Allez, pas d'espace. Reste tranquillement, pas trop non plus. On reste en place. Oh, Aboudemba, c'est bien anticipé. Allez, Rabat, allez, bat-toi. Bat-toi, mon petit bête. Mais... c'est bien, on lance pas de solution. On est stock. C'est rendu, ça. C'est rendu, ça, Nestor. J'ai bien dit le direct, mais ça coûte. Vas-y, provoque, provoque, provoque. Super, pars. C'est bien, c'est bien. Oh là là, Benet, ça va très vite. Rabat, oh, le poteau reprend. Oh, quelle combinaison. Quelle combinaison. Step des Alpes, on se régale. C'est pas la Ligue 2, c'est la Champions League. Oh, nous sommes vités. Ça part de là, et la Bennett tout de suite, en deux temps, renversement, Ravé qui met de la tête, amène une boucle de balle pour te rentrer. Exceptionnel. Exceptionnel. Ah, c'est 2-0 avec 0-74 de Lucio. Oh là là. Mais écoutez, on peut dire passer un peu petit. Tout ça. Ah, je suis content quand même. Très content, là. Très content. Très content. Et on va juste demander à Monbris et à Boudemba. Juste à Monbris. Monbris monte un peu moins. J'ai besoin de monter. Quoique. Ouais, non, Monbris continue de monter. T'étais bien. À Boudemba, il est bien se projeter. Donc, juste recule un peu, frère. Pas besoin de. Calme. On mène 2-0. On va. Il faut gérer un peu. Faut gérer un peu. D'ailleurs, on va laisser un peu le rythme. On va. En transition. Ne pas faire de relance rapide, on va ralentir le rythme et on va pas contrer. Enfin, pas forcément contrer. On met 2-0, on va pas forcément contrer. On peut faire tourner le ballon. Ils ont l'air de pas aimer ça. On y a le Pérez en 6,6. Va être le temps de faire un changement. Comment on va dans les changements là. Manuel Pérez en difficulté. Manuel Pérez en grande difficulté comme Moussa JT. J'ai pas de niveau défensif à faire rentrer. Ouais, si j'ai pas de monter, t'as pas coup. On fait rentrer, t'as pas coup. Peut-être qu'il y a beaucoup d'autres choses. On va faire sortir JT, de donner un peu de temps de jeu à MN, c'est le moment. On va donner un peu de temps de jeu à MN. On va l'intérieur. Et on va garder le troisième changement. On va garder le troisième changement. Des joueurs qui sont un peu plus en difficulté, genre Yori Kravet. Ouais, Yori Kravet qui commence à être. Oh, il crache ses poumons. Allez mon Yorick, tiens bon. On peut le remplacer. Peut-être le remplacer quand même, là ça fait beaucoup. Je sais pas comment pour le remplacer à part Achille Lamani. Et du coup, je peux mettre personne. Donc, David Denem. Et là je mets une autre blague. Ouais c'est. Et par les cheveux mais allons-y. Et par les cheveux mais allons-y. Et Diallo en ailier. Soutien. Ok. Et ben dis donc. Pau, 0 tir cadré dans le match. Quelle défense du Grenoble Foot. 38. Deux beaux buts, ça ne pas penser grand chose derrière. Attention à ne pas se relâcher quand même. Attention à ne pas se relâcher. C'est bien, on reste vigilant. Parti, parti. Allez, Diallo. C'est Eden en point là, c'est bien. Attention à Diarra. Attention à Sifoua. On va aller vite à Sifoua. Georges, ça. Les gars. Oh, concentré là. Tir cadré évidemment. Regardez un peu ça. On a vu que le bateau de attends. Allez, c'est. Faut pas se faire peur comme ça. À chaque fois, on se fait revenir. C'est toujours la même chose avec cet effectif. Mais la peur n'aura été que de courte durée. La peur n'aura été que de courte durée. Let's go. Allez, ça fait du bien.
Victoire comme ça, Montbris qui apporte des garanties, c'est cool. Et bah, 13 tirs finalement quand même. 13 tirs. 13 tirs. Et ça c'est... bah non. Bien joué. Hein. Bien joué. Bien joué le gars, bien joué le gars, bien joué le gars. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué. Évidemment, eux, ils résistent pas. Bien joué les gars. Bien joué, bien joué. Ah, franchement, plaisir. 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 Et du coup, Niort, ça s'est passé comment? Sochaux a perdu, Niort a perdu. Et Le Havre. Le Havre a. Pas, je les vois pas. Le Havre a perdu aussi. Ça fait qu'on regarde. Ça, on se met bien. On les met à 4 points là. 4 points de la zone rouge. Là, on est bien. 4 points de la zone rouge. On a joué que 15 matchs. Là, on est très 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 bien parti. Je pense qu'on va voir, on va viser mieux que le maintien. Parce que. En soi, il n'y a pas tant de points de retard que ça. Regardez par exemple pour la 6ème place. Bon, le barrage est un peu loin. Il y a peut-être quand même 13 points pour aller chercher les barrages. Ça fait beaucoup. Mais il y a. Pourquoi pas? Pourquoi pas si on continue la bonne saison là? Respectez notre victoire. Didier Tolo, c'est vrai. Yo Delta! Yo Delta! Bon, il n'y a pas trop de Pikachu là. Si, il y a quand même Dresseur Maurice Pochettino qui est le coach, mais. Mais let's go. C'est chiant, je sais pas si quelqu'un a le même bug à propos de Streamlabs, enfin Streamlabels, qui veut plus montrer en fait. La fenêtre est masquée. Je lance le logiciel, j'ai la preview sur Windows, mais ça se lance pas. Je sais pas ce que c'est. Terry London a rejeté le contrat? Ok, bon, on s'en occupera peut-être personnellement tout à l'heure. Ok. Donc la petite batch de Coupe de France contre Aubagne, ça devrait bien se passer face aux Marseillais là. je pense qu'on n'avait pas mis Elodie en blessé sur ce premier jour de Koh-Lanta. On n'avait pas mis Elodie, sachant que c'est une semi-blessure. Ça reste une semi-blessure, mais ça reste quand même une blessure. Mais je pense, en vrai, Elodie, ouais, c'est le profil coach sportif. Les coachs sportifs, les sportifs, c'est eux qui se blessent les premiers, hein, toujours. Par contre, ouais, ça doit faire mal ce qu'elle a pris. Hein. Ah, ce qu'elle a pris, ça doit faire mal. Hein. On a vu 45 fois les images, ils nous ont montré 45 fois le ralenti. Ah, je peux te dire que. Ouf, à chaque fois, c'est comme quand tu vois les gros tacles en foot ou que tu vois les mecs se casser le bras. C'est compliqué. Première évaluation du niveau de la promotion de jeunes. Au moins un de deux gardiens. Oh oui, un gardien prometteur. Let's go. Jesse Benet a rejeté. Ok, mais. Et Neok Nestor a rejeté. Eh ben, Max Marty, frérot, tu fais quoi? Frérot? Il a 75 ans. Je veux pas prendre la bounty en plus! Allez, s'il te plaît, accepte le contrat. Mais bordel, frérot, je te demande de négocier 4 contrats, tu m'en rapportes aucun. Il sert à quoi ce directeur sportif, là? Oh, un peu de discipline, là. Un peu de discipline, hein, parce que c'est bon, ça va 5 minutes, les directeurs sportifs de 75 ans. Hein. C'est violent, mais à un moment donné... Ouais, c'est violent, quand même. Ouais, mais c'est violent, mais à un moment donné, c'est bon. C'est bon, hein. C'est quoi la référence de cette soundboard? Incroyable. Tu fais comment pour mettre le nom de la musique sur ton stream? C'est Twitch Soundtrack. Twitch Soundtrack qui détecte automatiquement la musique que je mets sur Twitch Soundtrack, du coup. C'est un enfer à setup, hein, par contre. Genre, par exemple, si vous allez voir la VOD de mon live au sous, Twitch Soundtrack a coupé le son du jeu, parce que c'était mal setup. Mais ouais, c'est une galère à setup. Il faut être, faut pas se tromper dans OBS. Mais quand ça marche, c'est cool. Puisque t'as le nom de la musique en bas. Donc c'est cool. Esteban Sal en haut, ça me dérange pas. Gardien 2, Esteban Sal. Ok, donc là on a un match contre... Alors, il va falloir faire un peu de gestion d'effectifs parce qu'on a un match contre Aubagne et deux jours après on a un match important contre Chambly. Plus l'enchaînement Dunkerque, plus l'enchaînement FTSM. Ah ouais, donc on va faire tourner contre Aubagne. On va donner un peu de temps de jeu à tout le monde. On va donner un peu de temps de jeu à tout le monde face à Aubagne. Enfin, une tactique assez libre. Tactique assez libre. Pas trop de pressing. Un peu moins de pressing, les gars, quand même. Hein. Pas trop. J'aime pas trop quand vous faites autant de pressing. Quoique, si on veut forcer l'adversaire à jouer dans l'axe, pas du pressing. Non, mais c'est au bagne. On va jouer. Ah, je vais littéralement jouer sans consigne. Genre, défendez. Ça, c'est la première fois que je joue vraiment sans consigne. Défendez. J'ai dit à mes joueurs, défendez.
Vraiment, je me cherche encore avec ce club. Hein. Mais on va se faire jouer des David Hennen, ce genre de choses. On va faire tourner l'effectif un peu. On le fera après. Kevin Tapoko, soin domicile. Hop. C'est une petite grippe. Tu vas te soigner chez toi. Tu seras de retour pour Aubagne. Parce qu'il va jouer face à Aubagne, je pense, Tapoko. Je me devais réfléchir un peu déjà au changement d'effectif qu'on sera amené à faire. Allez, Aubagne. Après, l'enchaînement Chambly, Dunkerque, FCSM en... avec 3 jours de récup à chaque fois, c'est... Pouf, ça va être compliqué là. Les joueurs sont pas très bien affûtés en plus. Papé, Matarsar. Ok, mais il a re-signé jusqu'en 2025. Tant pis pour nous. Tant pis pour nous. Allez, la cote de Aubagne est haute quand même. Ah, mais ils sont en bonne forme, Aubagne. Ils font une sacrée saison. Ils font une sacrée saison, Aubagne. Ils sont en National 2. Ouais, ils font premier National 2. Ah, peut-être les respecter, hein. Peut-être les respecter. Ils tapent Lyon 2. Ils tapent Marseille 2. Oh, Marseille 2. Oh, l'OM 2. Qui se fait manger par le GFA Rumi Vallière, quoi. Oh, l'OM 2. Quel enfer. Saint-Priest. Saint-Priest qui a changé de nom. Mais on est là. Et Aubagne, on va peut-être les respecter quand même, Aubagne. On fait les malins. Mais à tout moment, on fait une Marseille et on se fait sortir. Hein. Sachant qu'en Coupe de France, on veut atteindre le 10e tour. Et là, on est au 8e tour. Donc, il faut qu'on gagne 2 matchs en Coupe de France pour atteindre nos objectifs. Ça va pas être trop dur si on a un bon tirage au prochain tour. Et oui, ça, ok. Merde. Perrin. Jean Ruiz. Eh, pas cher, Jean Ruiz. Pas cher du tout, Jean Ruiz. Je ne sais. Genre régulier et tout. Lucas Perrin, ouais, c'est greedy, Lucas Perrin. Il progresse pas trop. Mais pourquoi pas. Samy Benamar, bon. Progresse pas beaucoup non plus. Pas cher. Ah, irrégulier, n'est pas les gros matchs et tout. On va éviter, hein. Et après, il vise la LDC. Ah, mais là, on vise la LDC avec Grenoble, là. Pas du tout. Absolument pas. On veut juste faire une bonne saison et après, on ira se faire recruter dans un meilleur club. J'espère. Peut-être cette saison, ça va être un peu plus galère, mais la deuxième, on a moyen de faire des choses. Avec un peu d'argent. Pitié. Pitié de l'argent. 13 réponses suite à votre annonce pour le poste de recruteur. Ah, j'avais mis une annonce de recruteur, moi. Marie-Charles Bettoni, je l'ai déjà offert un contrat, lui, non? Mais. Bah. Je l'avais pas déjà recruté, lui? Pourquoi il est en jaune? Je l'avais déjà recruté, lui. Ça semble plus au regard du dernier rapport. Mais j'avais déjà offert un contrat. Pourquoi il a pas accepté? Attendez. Je pense pas que ce soit ça, mais. Moi je te veux, frère. Contrat de recruteur. Paf. Recruteur. 3 ans. Allez, hop. Tout le monde sera 30 gars, c'est bon. Ok, bon, il y a un recruteur en plus, ça fait pas de mal. Hein. Parce qu'on est très peu pourvu. Joueur mis à disposition. Non. Top. Personne. Personne ne va jouer avec les U19 parce que là, on a 3 matchs qui vont s'enchaîner. Et il faut rester en forme. On est face au pire. Match, mais bon, allez. On les tape, hein. Pas grave, on est de retour. C'est pas mon PC qui surchauffe, non, c'est bon. Achille Anani, bah, il va pas jouer à Anani. On va. Ah, après, il faut faire tourner, mais il faut rester, faut respecter l'adversaire. Ils ont Gaël Andonian, les gars. Ils ont Gaël Andonian. Il y a Gaël Andonian en défense. Oh merde. J'essaie de pas être en positif. Non, on va jouer en offensif là. On respecte, mais on joue en offensif. Ok, comment on fait pour forme physique? Reste affûté, affûté, moins affûté. Peut-être mettre NN.
J'ai envie de mettre NNJT. On va peut-être remplacer Yori Kravet. Je sais pas. Samedo qui est blessé. Diallo. On peut mettre Diallo, NN et JT. JT il peut jouer à droite. Hein. Ouais. Comme NN. On va mettre ça, on va mettre NN, JT et tout ça. NN qui est en mode de manque de confiance, j'ose pas trop le mettre en attaquant avancé, mais bon, allons-y. Y'a pas les petites étoiles qui apparaissent là, ça me perturbe. Enfin, un petit rond vert qui te dit si le joueur est à l'aise ou pas. Ça me perturbe. Moussa JT, Diallo. Attaquer les gars, attaquer. Au milieu, qu'est-ce qu'on fait? Il y a Belmont et Michel, mais oh, et ouais, c'est pas très bon. Hein. Ils sont sur liste des transferts et tout, les mecs sont pas motivés. On peut pas jouer avec un 10 éventuellement. On peut pas jouer avec un 10. On a qui en 10 qui peut jouer? Michel? Bon, après, mettre un mec comme ça en milieu de jeu avancé, c'est greedy, mais bon, allez, allons-y. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et du coup, après, on met Tapoko en milieu récupérateur. J'aurais dû mettre ça dès le début. Je sais pas si ça marche vraiment ça, mais ça a l'air bien. Mais du coup, si on met pas Benet Perez, on met Tapoko et du coup Belmont. Ou Piquel. Piquel qui peut jouer box to box. On peut mettre Piquel en box to box. Et Tapoko le récupérateur. Michel, Diallo et NJT. Normalement, ils ont pas de côté préféré. Ça va, c'est bon. Est-ce qu'il y a des droitiers, des gauchers? Droitier. Ok. On va laisser Aboudemba sur son côté. À moins qu'on essaie. Ah, je vais mettre Loris Neri. Mais Neri, il joue à gauche aussi, je crois. Ouais, c'est ça. Mettre Abdallah. Ah, je fais tourner à 100% là. C'est 100% l'équipe 2 qui va jouer là. Un peu dangereux. Mais écoutez, on assume. On assume. Neri et Abdallah vont monter. Nestor Monfrand en défense. On peut mettre Sylvestre Brack et Stralman. Oh, je fais trop tourner là. À la place de mots bleus, on peut mettre Esteban Sall. On va laisser mot bleu quand même. Hein. Oh, quoique mot bleu, il me fait peur. Hein. Et il peut jouer des cardinaux et Bérossal. Du coup, Stralman, Sylvestre Brack. Ok. J'ai fait tourner absolument tous mes joueurs. Est-ce que c'est pas un peu greedy là? Ah, on va pouvoir tester le ban sur OBS. Ban. Ok, ça marche sur OBS, les bans et tout, c'est trop bien. T'as une barre, tu peux choisir le temps de ban et tout, incroyable. Bah du coup, ban def, énorme. Ok, on avait Michel, on avait JT, Diallo. Ah, c'est greedy, je fais vraiment tourner tout mon effectif là. Oh, ouais, c'est... Wouh, c'est chaud. C'est chaud. On va mettre Ave et Anani, mais... Oh, on a que 5 remplaçants en plus là. Sérieusement. On n'a même pas mis Jordi Gaspard quoi. Loïc Nestor, Perez au milieu, Ravé, Anani. Allez, ça part là-dessus. En espérant que ça passe. On va changer trop la tactique. Je devrais pas faire ça. Hein. Oh, c'est une erreur que je fais, hein, je crois. Hein. C'est une erreur que je fais de changer autant l'effectif. Hein. Ils ont Gaël Andonian, je rappelle. Ah, c'est chaud, hein. C'est très très chaud. En plus, je rate mes consignes, je fais n'importe quoi. Ok. C'est le moment de taper au bagne. On déconne pas, les gars. J'ai un peu peur quand même, hein. J'ai un peu peur. Ok. Bon, ils attaquent pas trop. On est aux possessions. Ok. On joue très direct. On a beaucoup de corners. Ça va peut-être payer avec Tapoko. Ça paye avec Tapoko, évidemment. Tapoko qui est là pour les coups de pied arrêtés avec ses 18 en mi-temps vertical. Et ça fait un 0. On peut déjà passer en positif. Oh, Tapoko, c'est fini. Il nous suffisait d'un corner. Déjà 5 corners. Hein. Allez, c'est bien. Let's go. Au moins, si l'équipe 2 arrive à gagner, ce sera très payant. Oula. Ça s'est remis dans le.
Heureusement que ça rebondit. Heureusement que ça rebondit. Mais c'est dangereux. Je souffle. Mon souffle. Ça tient, même si Sylvestre Braque est en difficulté, ça tient. Enen en difficulté aussi. J'aimerais bien qu'il joue mieux David Enen, hein, quand même. Enfin, Enen et je sais pas. Je sais pas comment on dit. Ah, ils ont augmenté le rythme, hein, quand même. Hein. Ils ont augmenté le rythme. Surtout avec assurance. Ne vous relâchez pas, les petits potes. Ne vous relâchez surtout pas. Parce que là, à tout moment, on s'est remonté. Hein. On s'est égalisé, ça part en prolongation. Et j'ai pas envie d'aller en prolongation avec le calendrier qui nous attend. Allez, on est en rouge, hein. On n'est pas en bleu. Attention, pas trop haut. Oh, le bon sang, Djokovic, il est seul. Il est seul, Djokovic. Allez, faut y aller là. C'est du gruyère. Allez, c'est bon. On panique pas, relance pas, t'as le temps. C'est bien, dégage pas. C'est bien, là, ça mène. Joue en pivot. T'as pas beaucoup qui tente des choses là. Quelle belle, Michel. Oh, c'est vraiment l'équipe 2 que j'ai mise. Hein. Quel enfer. Hein. Quel enfer cette équipe 2. Allez, Piquel, Neri. Rigidité. On pas dans le profondeur. On peut pas lancer Piquel qui s'avance. Oh, frappe de Champiquel. Oh, l'exceptionnelle frappe de Champiquel. Oh oui, Greg, il la sort. Non, il la sort pas là. Oh oui, main opposée, Richard. Fabuleux. Pour la beauté du geste. Ah, ouais, non, faire, hein. Pour la beauté du geste, le replay. Oh là là. Oh là, crucifié. Champiquel, un magnifique mouvement. Et Champiquel. Un peu en segundo volante qui vient dans la surface. Non, je ne sais pas. Et GT qui part en compte, ça continue. Prendre la vitesse, mon petit, c'est bien lancé. Oh, Enen peut y aller. Enen peut y aller. Manque de confiance, hein. Manque de confiance pour Enen. C'est criant. On va pas faire beaucoup de changements parce que mes remplaçants, c'est mes titulaires et j'ai pas envie qu'ils se fatiguent. Ah, c'est bien 2-0 là. C'est bien, c'est cool. Let's go, les gars. Qui pense JT à droite, JT qui provoque, JT qui il est rapide, JT, le long line de touche, le bon centre. Anticipé par Ben Alred, mais ça arrive sur Tapoko, Abdallah, il a du champ Abdallah. Essaye de rejoindre au trait pour Tapoko plutôt. Michel qui fait un super match pour l'instant. Piquel dans la surface, Enen qui recule collectivement pour jouer. Et Abdallah qui. Oh ça va. Oh la pelle de balle, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais. Oh là là, mais c'était qui. Let's go. Oh exceptionnel. Exceptionnel. Tout simplement fabuleux. Oh oui, Richard, regarde ça. Tout simplement fabuleux. Exceptionnel. Abdallah qui il a pas décidé d'avancer, il s'est dit non, je centre de là. Enen ça. Incroyable. Je t'appelle. Incroyable. Allez, t'as beaucoup de. C'est une correction. Le Grenoble Foot 2 qui est en train de taper au bagne. C'est dur à regarder. Hein. C'est dur à regarder pour eux. Oh là là, mais Enen, comment ça. Coordination qu'ils ont les deux là. Exceptionnel. Et bah dis donc, ça. Pas mal tout ça. Pas mal. Alors voici Piquel. Non, on va faire un peu personne en fait. Par Jordi Gaspard. J'ai un peu de temps de jeu, sinon tout le monde reste. Même Esteban Sal à 7,0. Enfin, je suis obligé de mettre Esteban Sal titulaire pour être Moglu. Hein. Après, Moglu, le problème, c'est qu'il est capitaine, il garde effectif et tout. Il faut le titulariser, quoi. Sachant qu'ils ont à peu près le même niveau. Bon, voilà. Oh, ça, c'est un bon ballon. Oh, c'était un bon ballon, ça. C'était un bon ballon, heureusement. Ça sort. Ça me disait quoi, l'émission, on continue. Ouais, la pression. C'est bien aussi, Ligue, j'ai repé Trao. Et ça, il fait rater sa sortie. Pas de problème. 24-1. Reste Bansal qui passe à 6,5 d'un coup, bam. Grosse erreur. Ah, par contre, Petrao, ouais, faut arrêter. On voit que lui. Bon, la défense, c'est pas ça. Hein. En plus, Stralman, ça va. Allez, on finit le match, 4-1. On n'en parle plus, 4-1 avec des XG. J'adore cette stat des XG. J'adore l'expected goals. Je suis content, les gars. C'était bien. Vous êtes l'équipe 2. Charpiquet a fait un bon match pour une fois. Après, c'est un bon match contre une équipe de National 2. Mais un bon match est un bon match.
Osef de Chat, j'ai déjà gardé mon capitaine sur le banc, voire hors feuille de match pendant 2 ans. S'il n'a pas le niveau, il ne le vit pas forcément mal. J'avoue qu'à Marseille, j'avais bench Mandanda. C'est quand même Mandanda à Marseille. Mais vu qu'il était nul, ben, il a fait OK. Il a juste dit OK. À un moment, je lui ai même dit à Mandanda, mec, je te retire le brassard. Il a fait OK. OK, je comprends. Ouais, j'ai peur de recruter un gardien pour le remplacer. Vu que j'ai pas du tout le soutien du vestiaire. Je me dis que si je me mets Maubleu en... Après, il y a d'autres leaders d'effectifs quand même. Mais si je me mets Maubleu, quel capitaine leader d'équipe à dos, parce que je recrute un gardien pour le remplacer. Voilà. Le vestiaire me soutient pas. Et Maubleu, bon bah voilà quoi. C'est le gardien historique de Grenoble quoi. C'est le gardien de Grenoble quoi, Brice Maubleu. Après, bon, c'est vrai qu'il est pas bon. Pas se mentir. Je rappelle 6,61 de moyenne. Mais en même temps... pas grand monde au cage hein. Pas grand monde au cage à part Salle. Après j'ai des jeunes quoi, Cosy Buet, tout ça, des jeunes prometteurs, mais des jeunes. Donc ouais, peut-être un gardien au mercato, ça ferait pas de mal hein. Mais un vrai bon gardien. Bah là, du coup le 4-2-3-1 il a bien marché, mais en Ligue 2 c'est un peu greedy. On va pas jouer en 4-2-3-1 non plus. Ok. Ok, là on joue contre Chambly, prochain match à l'extérieur, on peut se mettre en prudent. Je sais pas comment on joue Chambly, j'ai pas un rapport d'effectif sur Chambly là. 22 500 €, énorme. On en est quoi niveau 6 Ah oui, les finances sont négatives. Coup dur. Coup dur de voir ça. J'aimerais bien avoir un petit rapport sur Chambly quand même. Et c'est Chambly Oise. Ah, il joue vraiment comme ça, il joue vraiment 5-3-2. Ok. Des fois, les bots ont des tactiques, mais tu étais en mode quoi? Pardon? Vraiment une équipe qui joue vraiment comme ça. Yo Disco Devoli, je suis dans le train, j'ai très peu de réseau, mais je passe faire un petit coucou. Bon stream, vive les abonnements offerts. À quand l'affilié? Ben, bon train, Disco Devoli, je sais pas où tu vas, mais bon voyage, on connaît les streams dans le train. Et l'affilié, je suis. Ben là, c'est mon 5e jour de stream, donc il me faut encore 2 jours. Encore 2 streams, et on sera bon. Encore 2 streams, on aura l'affilié. Donc ça, c'est juste chiant, il faut 7 jours différents. Donc 2 streams, et on sera bon. Parce que les stats sont là derrière, donc juste avoir les 7 jours différents en 30 jours. Donc là, vu que c'est mon 5e stream, il m'en restera 2. CQFD, c'est la tactique Catenaccio, non mais. Mon adjoint s'est dit bon, et si on bossait le Catenaccio? Quel enfer. Et si on bossait un style tactique qui est démodé depuis les années 50? Genre, c'est comme si là dans Overwatch, le coach disait bon, les gars, on va travailler la goutte un peu. C'est la méta dans Overwatch en ce moment, la goutte. On va travailler ça. Bon, après, voilà, ça fait défense désengagée et tout. Ça va. C'est un planning, ok. Et après, équilibré, ça me va. Chambly, j'aimerais bien savoir comment il joue quand même. Hein. Il joue vraiment en 5-3-2 comme ça. Hein. Il joue vraiment en 5-3-2 comme ça. Ils se sont fait taper par le Havre, mais ils s'en sortent quand même. Ouais, il joue vraiment en 5-3-2. Du coup, il faudra vraiment marquer Soubervi et Elriti. Et après, ça se passera bien, quoi. Je pense, du coup, on les force à jouer sur les côtés. On les force à jouer sur les côtés, on met un bon marquage avec nos deux ailiers sur leurs latéraux, et normalement ils pourront rien faire. On peut même aller les chercher. Non, même pas besoin d'aller les chercher, on aurait vraiment juste besoin d'être en place, avoir un bloc en place. Juste besoin d'avoir un bloc en place, les force à jouer sur les côtés, et on sera bon. Marquez-les, et on sera bon. Je pense qu'on est bien comme ça. Non, même pas de marquage. Non, si vous êtes en place, faites pas de marquage. C'est con. Ok. Là, on est pas mal. Let's go, ça. Let's go. Bien sûr, let's go. Bien sûr, let's go. Bien sûr. Ok. On est prêt à aller affronter Chambly. Si c'est une championnat, Chambly font une bonne saison. Le FC Chambly West se met bien. Martin veut du temps de jeu pour Christensen. En même temps, on l'a prêté au PSV. À quel moment on s'attend qu'un joueur comme ça joue au PSV? Bien sûr qu'il allait pas jouer. Quel enfer.
Pourquoi il était prêté au PSV, quoi? Quel est le projet? Quel est le projet de le faire repartir en Eredivisie, quoi? Quel était le projet? Peut-être pour l'intégration, je sais pas. Sérieux. J'ai pas 31K, quoi. Comme ça, avec 40 000 de budget de transfert, ça devrait avoir à le faire. Alors, 9e tour de la Coupe de France, s'il vous plaît. Bon tirage, il y a des clubs de Ligue 1. Il faut juste que je gagne ce match pour y aller. Alors, il y a des clubs de Ligue 1, mais il y a des clubs en National et tout. Tour, ah ouais, Tour, c'est vrai qu'ils sont en National 3, quoi, putain. Ça, c'est chaud de voir Tour en National 3. Tu vois, je peux taper un club de National 3, je dis pas non. Allez, s'il vous plaît, un petit peu de chat sur le tirage. Oh, putain. Oh, on se tape la SSE à l'extérieur. Oh, c'est pas cool, ça. C'est pas cool. Alors qu'il y a des, bah, y a des avirons bayonnais et tout. Alors qu'il y a des Le Mans-Chartres. Alors qu'il y a des Belfort-Sedan. Ah, dommage. J'aurais bien aimé ne pas taper l'SSE. On va pas se mentir. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des gros matchs de Ligue 1 là? Angers-Brest, ouais. Le Gazélec contre Montpellier. Pas fou. Chambly-Oise, le bon paillasson. Ouais, paillasson qui est 6ème de Ligue 1 quand même, hein, on va pas se mentir. Donc on va les respecter. On va les respecter. Style d'entraînement avec le ballon. Non, non, non. Non. Top, top, top. Défense. On va s'entraîner à défendre, les gars. Je parle pas mal de Chartres, c'est mon club dans ma run solo. Bah, j'ai pas parlé mal de Chartres, j'ai dit que... Alors, ils avaient une position qui était un peu faible. J'ai pas dit que Chartres était un mauvais club, j'ai dit que leur adversaire était faible. Ça faisait un match, ma foi, fort pas terrible. Non, kiné pour Florent Michel. Ok, Chambly. Bon, on met l'équipe 1 contre Chambly. Parce que de toute façon, on a fait tourner contre Aubagne. Donc, tout ça, c'est pour mettre l'équipe 1. Anani, Florent. Même Florent Michel peut jouer, quoi. Quel enfer. Réunion tactique, augmenter l'étage défensif. Défendre plus sur la largeur. Non, écoutez. On va remettre Anani du coup. Après, NN a fait un bon match. C'est vrai qu'Anani est. Si Anani avait marqué, je crois. Ouais, il avait marqué. Il n'a pas été bon, mais il avait marqué. On va laisser Anani en point. C'est vrai que j'ai JT NN. JT observé par Leipzig. Ah ouais. Bah ok. Après, JT, ce serait peut-être pas meilleur en pointe, quoi. C'est vrai qu'il a 15 en accélération, quand même. Hein. C'est vrai que j'ai presque envie de le mettre à la place d'Achille Anani. Parce qu'Achille Anani, il est titulaire juste parce que bah il a ses 6 buts et 7,09 de moyenne, quoi. Du coup, je me suis dit, je vais pas trop changer. Après, c'est vrai qu'il a un bon volume de jeu, aussi. Je sais pas. En attaque, c'est compliqué. Entre JT Anani, même NN qui a fait un bon match de couple. Hein, donc, même s'il en manque de confiance. Donc, JT, je peux mettre NN ou Diallo là. Mamadou Diallo là. 15 en technique. On peut tenter un truc avec où on met pas Anani en pointe. Hein. J'ai envie de tester avec JT en pointe en vrai. Et du coup, il y aurait Cravet ici. Du coup, il attaque avec Diallo, JT, Ravet. Même si Anani, ça fonctionne en vrai. Je suis greedy de changer mes... C'est greedy de changer, hein, alors que je suis pas mal là. Du coup, là, on met Benet, Perez. Benet qui peut jouer en meilleur jeu avancé, attaque. Parce qu'il est très en accélération, 12 en dribble. Très bien. Pourquoi c'est rouge là? Ah oui, parce que j'ai pas d'ailier intérieur. J'ai pas d'ailier intérieur. Là, c'est vraiment une strat. Bah, il faut jouer sur les côtés quoi. Plus direct. Et on joue sur les côtés avec JT, Diallo, Ravet. Qui sont très rapides. Qui peuvent dribbler. Avec Benet, Perez qui va se mettre en meneur de jeu en retrait soutien. Mettre des ballons. Bon, là, c'est un peu moins vert. Piquel qui avait fait un bon match en milieu récupérateur, non?
C'est compliqué hein, les matchs hein, pour Piquel en milieu défensif. J'ai pas trop, il n'y a aucun rôle qui lui convient bien. Limite meneur de jeu libre quoi. Il est Segundo Volante, mais c'est vrai qu'en Segundo Volante, il avait marqué un beau but dernier match, en match de coupe là. J'ai presque envie de le mettre en Segundo Volante quand même. Hein. Mais bon, c'est mon seul milieu défensif, donc il peut pas jouer Segundo Volante, comme j'en ai pas de deuxième. Sinon j'avais mis demi-centre, mais demi-centre il galère. Hein. Demi-centre, c'est le meilleur récupérateur avancé. Mais il galère un peu. Alors qu'en récupérateur, il était pas mauvais. Après, je vois un mec qui sait faire des passes quand même. Milieu défensif soutien, il sait faire des passes quoi. Après, il a vraiment un profil de milieu récupérateur quand même. Hein. Pas se mentir. Peut-être milieu récupérateur soutien, peut-être Piquel. Avec Abou Demba sur les côtés qui est toujours très. Abou Demba, il me fait pas des bons matchs. Hein. Change Abou Demba. Hein. Tu vois, Charles Piquel qui est. En fait, c'est mon latéral droit en fait, Charles Piquel. J'ai Loïc Nestor, mais qui est au centre. André Monfray qui est au centre aussi. Mon Brice. Après, voilà, j'ai Neri, Sylvestre Braque, Jordi Gaspar aussi qui est vraiment nul. Neri qui peut montrer qu'il a dans le ventre là. On va peut-être pas le mettre en attaque quand même. Hein. Ah, 8 en centre, ouais, on va pas le faire attaquer le frérot. Hein. 8 en centre, tu vas rester derrière. Non, Jordi Gaspar, ses stats quand même. Il est vraiment si éclaté que ça. Ah, il a quand même 12 en centre le frérot. Bah, 10 en collectif, mais. Il est pas mauvais que ça, Jordi Gaspar. 10 en anticipation, c'est pas fou, cela dit, mais. Ouais, 10 anticipation, 10 en concentration, quoi, c'est pas fou. C'est pas fou, Jordi Gaspar. Hein. Ombris, on va le laisser en attaque. Monfray Nestor, toujours du coup en défense. Ça tient bien, il met au bleu dans les buts. Je mets bien la défense avec Sylvestre Braque, Demba. Je mets du coup plutôt Strelman. Demba Abdallah. Bon, tout ça. Ok. Jour de match. Jour de match. 9 joueurs, manque de confiance. Oh, bon, c'est vrai qu'ils connaissent pas encore bien la tactique. Il va falloir faire des séances tactiques à l'entraînement là parce que j'arrête pas de changer et du coup ils sont perdus. On va faire un peu de séance tactique. Bon, eux ils doivent jouer en. Tu sais, j'ai appelé du match mais j'ai pas la formation. J'aimerais bien voir leur formation quand même. Pochettino. Les bras, ça c'est quoi? C'est agressif, assurance, prudence, réticence. Les mains sur les hanches. Les poings serrés. Et les bras écartés, en signe de félicitations. Allez les gars, montrez-moi de quoi vous êtes capable pour continuer sur cette belle série. Avec la voix du mec dehors. Dans. Comment ça? Dans Tour de France 2020. Incroyable. Le directeur sportif. Exceptionnel. J'aimerais bien voir la. Ça me frustre de. Cette nouvelle interface me frustre hautement. C'est où les petites fenêtres? Ah! Ah! Allez! J'aimerais bien voir, en fait. Bah, yes. Ah, il joue bien 5-3-2. Bah non, c'est chiant. Ah, je voulais voir ça demain. M'en fous, je veux voir ça, moi. Ah, voilà. Bon, c'est bizarre. Les Calgary, de toute façon, ils nous font mal. Ils doivent ces grenouilles en rouge, évidemment. Perturbant, mais ils sont en rouge. J'ai envie de trouver des espaces. J'ai envie de trouver des espaces. Ouh, Nestor vigilant parce que là. Oh, avec Meyer. Oh. Il est pas là. Et heureusement qu'il est vigilant là. Parce que là. Oh, c'était dangereux. Pas pendant une action pump. Ouais, mais quand même. Non, moi, j'ai pas les choses. Des espaces sur les côtés. Hein. J'ai oublié de. C'est ce que j'ai oublié de faire. Toi. Marquer un poste spécifique. Hé hey. C'est l'ALD que tu dois marquer, pas le DG. Toi pareil, tu dois marquer l'ALG. Ça va bien mieux marcher si on fait ça. Il faut faire l'effort, hein, latéraux. Après voilà, c'est vrai que je veux jouer en contre et je demande à mes ailiers de marquer les ailiers offensifs. Donc ils vont
pas être bien placé pour les contres, mais bon, c'est pour ça qu'on a mis aussi JT en pointe, parce qu'il est rapide. Partez bien ce coup-là, bien tiré, attention, attention au contre, avec un middle, c'est bien, ça s'intercepte, voilà, piqué. C'est bien, petite faute qui fait revenir le bloc, pas de jaune, c'est bon, c'est bien, putain. Le FC Chambly Oise qui nous fait part. Attention, le coup franc. Tapoko, il n'y a pas de la tête. On va voir ça. Allez, c'est bien. Allez, c'est bien. Allez, c'est bien, X-Pot. Allez, faut se motiver là. C'est bien, les gars. Brismo Bleu qui a 7. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Brismo Bleu qui fait déjà parler de lui. Ouais, 4 tirs cadrés par contre. Hein. Brismo Bleu à 7,1, il va pas retarder beaucoup de chance, Brismo Bleu. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Il est quand même pas fini. Mais Elrity, il va vraiment au centre du terrain, quoi. C'est quand même. Hein. Il perd sa défense. Allez, c'est Jomeski qui va aller chercher. C'est Jomeski face à un. C'est beaucoup de chance. Oh, il perd sa défense à 1,000. Il perd son chance de ballon. Et le but contre son camp. Il reste le rythme, quel enfer. Mais voilà, la casquette. Le but de casquette. C'est dur. Et la faute qui casse le rythme, c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. Bon ballon pour Diallo, ça il est rapide. Oh, le centre de JT était bon. Le centre était si bon. Le centre était si bon. Il y a une forêt de jambe. Allez, les spots. Putain, il 9 tirs si cadré quand même. Et à chaque fois, c'est. Attention, t'es plus une frappe de qui de Grenoble. On a vraiment tiré que dans la surface là. Peut-être tirer un peu plus loin là parce que. On a vraiment tiré que de là pour faire que des tirs pas cadrés. Ah, c'est horrible. Les gars, faire mieux. On t'a demandé de. De tirer, le souci c'est que ouais, mais quand je pars en contre, il y a que JT qui est devant en fait, donc faut pas que je contre. Faut pas que je contre. Faut pas que je fasse des relances rapides en fait. Faut laisser le temps au bloc de remonter. Personnalisé, personnalisé, personnalisé. J'avais pas vu ça. La défense comme ça, ça marche pas. Hein. Après, c'est une plus bas. On va aller chercher un peu là. On va voir si on peut. Si on va aller chercher un peu plus haut, comment ça se passe. Si on va aller chercher plus haut, on peut contrer. Du coup, on va voir comme ça. On va voir comme ça. N'oubliez pas de passer dans les espaces. Et voilà. Les gens en difficulté, comme à part Yori Kravet qui est notre clutch player de ouf. Hein. Je kiffe Yori Kravet et Brismo Bleu. Let's go, let's go. Arnaud le monstre, il est au spy. Arnaud le monstre. Oh, hier il était incroyable, Arnaud. Exceptionnel. Mais pas exceptionnel, pas aussi exceptionnel que l'épisode de Tokumanta qui était incroyable, il est au spy. 55ème, ça va vite là. Ça va vite le jeu. Et hey, tu veux pas mettre une action, frérot? Jesse Benet 6,2. 6,2. Bah, Jesse Bonnet tel JCP. C'est compliqué. Hein, je sens vouloir faire de comparaison avec d'excellents joueurs du stade Malherbe-Camp. Voilà, compliqué. Bah, JT, ça marche pas, hein. On va pas se mentir. Ce qui serait pas temps de faire entrer Anani. Parce que JT est en difficulté. On va laisser Diallo. Ou alors, limite, on remplace Diallo. Je peux pas faire cancel. Bah, il est au bouton pour cancel. Attendez. On va cancel à la main, comme ça. Ils sont fait tac. Avec JT là qui du coup part en allié intérieur. Et Montbrice qui monte plus. Et on passe en équilibré. Alors, Jesse Benet qui est à 6,2. Hein, meilleur de jeu avancé là. Bah, il me faut meilleur meneur de jeu là. C'est vrai que Michel était blessé. J'ai que Belmonte. On va le sortir, hein, Jesse Benet. J'ai peur de tout mettre sur Anthony Belmonte quand même. Hein.
Parce que c'est pas terrible. Parce que c'est clairement pas terrible. Le jeu qui ne s'arrête pas. Le jeu qui ne s'arrête pas. Aucune action. D'aucun des dans aucun des camps. Pas d'action, rien. Compliqué. On a peut-être remplacé Loris Neri. Y'a pas Jordi Gaspard qui peut rentrer. Ah non, j'ai que Abou Demba. Je crois que j'avais pas vu que j'avais pas mis Abou Demba, quoi. Oh, je sens tout, hein, mais là. Là, on va pas revenir. On va pas revenir là. Ah, il se passe rien, c'est tout le temps là. Allez. Allez, peut-être sur cette incursion. Il s'écroule, il s'écroule, il s'écroule, il s'est écroulé. C'est maintenant. C'est pour le point. C'est pour le point. C'est pour le point. C'est qui le tire? C'est Pérez. C'est Manu Pérez. Allez mon petit. Ne te rate pas. C'est ton moment. C'est ton moment. C'est ton moment. Allez mon Manu. Allez mon Manu Pérez. Tout simplement fabuleux. Oh oui, Richard, regarde ça. Tout simplement fabuleux. Exceptionnel. Allez, c'est... On va chercher le point. On va chercher le point. Yes. Bon, c'est bien, on va chercher le point. C'est pas immérité, c'est pas immérité. On va chercher le point, ça fait plaisir. Pérez qui l'a bien tiré. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. On va se retourner latéral. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, ça me va, ça me va, ça me va. Ça me va. Ça me va. Un petit match nul face à Chambly à l'extérieur. Ça me va, 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 ça me va. Pas de chance, pas de chance, c'est bien, pas de chance. Le Ricrava est toujours bon, Pérez qui marque, Mombris qui est très bon aussi sur son côté, il apporte des bonnes garanties sur Mombris. Et Maubleu, ça fait plaisir là, Maubleu qui. C'est grâce à lui aussi qu'on a le point. Donc ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir le capitaine qui prend ses responsabilités. Ça, c'est cool. Et on reste toujours à 4 points de New York, Sochaux, etc. Bon, on va se calmer, c'est difficile d'aller chercher les barrages, mais au moment Grenoble se maintient. Et là, on se donne de l'air hein, quand même, hein. New York, Sochaux, Le Havre. Il y a match contre Sochaux qui arrive, il y a match contre Dunkerque déjà, qu'on risque de voir, parce que les Dunkerque sont juste là, on va pas se mentir. Donc, des concurrents au maintien. Info foot Chambly, Bruno Luzi, a tu mis pas mal de monde, souhaitez-vous réagir. Ouais, c'est, j'apprécie son honnêteté. Je suis d'accord pour dire qu'on méritait quelque chose aussi de ce match. Pochettino apprécie, dresseur Maurice, ça me fume toujours. C'est débile mais ça me fume. Soyons honnêtes, c'est un Chambly versus Grenoble. Ça va, ça va, ça va. Ah, ça reste, c'est vrai. Non, c'est totalement vrai. C'est un Chambly-Grenoble. Allez, continuons. Reste ma chérie, tout ça, la famille. Willy Sagnol veut rejoindre Strasbourg, je viens de voir. Excusez-moi, voilà. Willy Sagnol, qui est toujours au chômage depuis qu'il a quitté le Bayern. Ah, il était passé recruteur au Bayern? Ok, je savais pas. On se rappelle tous hein, de Willy Sagnol, entraîneur du Bayern. Hein. On se rappelle tous de Willy Sagnol, entraîneur du Bayern. Oh, bordel de merde. Il y a des choses... Il y a des choses, des fois, dans certaines timelines, ça existe. Ah... On ne sera pas déduit du budget de transfert. Mais tu vois, il suffit juste de mettre le budget de transfert au-delà de 30K, mais la transaction n'est pas déduite du budget de transfert. Ok. C'est ce qui me semble. Après avoir fait 4 fois l'offre au même mec, pour leur envoyer de Auxerre, ok. Mais du coup, j'ai toujours mes 30K, c'est ça. Ok, bah Richard Bettoni, on va lui donner ses affectations. Il a une grosse adaptabilité, je crois, lui. Hein. 20 adaptabilités. Mais je peux pas l'envoyer à l'étranger, je crois. Enfin, je peux pas l'envoyer en Afrique ou ce genre de choses. Genre... Ah, je peux l'envoyer en Afrique. Ou en Europe, quoi. Après, vu qu'il a 20 adaptabilités, j'ai bien envie de le mettre dans... Juste en... Dans l'Europe, quoi. Va dans toute l'Europe, frérot. Va dans toute l'Europe
et trouve-moi des joueurs en fin de contrat, des gardiens d'équipe première, s'il te plaît. Critères supplémentaires. Alors, Inch'Allah, il est à 23 ans. Ah, je peux lui demander le critère d'âge. Au moins, niveau actuel connu, allez, très bon. Poste gardien de but. On va pas mettre de différence. Au moins, trouve-moi un mec très bon en fin de contrat et ça ira. Ça ira. Bon, idéalement, en vrai. Ouais, j'ai pas envie qu'il me donne zéro rapport, donc je vais pas lui dire. Je vais pas lui dire ça, mais ok. Mais idéalement, ouais, idéalement, que ce soit gardien de but libéraux, qu'il ait plus de 23 ans, moins de 23 ans. Au moins, donne-moi des rapports de mecs comme ça. Donne-moi des rapports de mecs comme ça. Vas-y, vas-y, mon Richard. Dans toute l'Europe, parce qu'il a 20 d'adaptabilité. Ça me semble honnête. Tac. Le match face à Dunkerque. Je connais très bien l'approche tactique de l'équipe. Bah ouais, effectivement. C'est vrai que ça joue. Ça joue l'approche tactique. Du coup, ouais, si on contre et qu'on fait des relances rapides, il faut pas jouer trop bas. Hein. Si on contre, il faut pas jouer trop bas. Bon, on a vu Moussa Djité, malheureusement, c'est ma petite pépite, mais ça marche pas très bien. J'aimerais bien le faire monter en valeur en montrant qu'il est bon, quoi. Mais bon, bah, s'il fait pas d'effort, il fait pas d'effort. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, on va peut-être pas le mettre en inter-offensif attaque, lui. Mais voilà. Mais là, ouais, c'est la défense qui paye si mon Brice même monte trop. Ouais, c'est pas grave, j'ai envie de tester comme ça. Loris Nery, il a fait un bon match, Loris Nery, ou pas? Il me semble que non. Ah ouais, pas du tout. Absolument pas. J'ai envie de tester Jordi Gaspard. Parce qu'il est vraiment mon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e latéral. Je crois qu'on a un problème à droite. Hein. Je veux pas faire le mec, mais je crois qu'on a un problème à droite. Je crois. Pas obligé de monter autant, Jordi. Parce qu'on a déjà Ravet. À base de Diallo, on va mettre Anani, qui connaît bien la tactique. JTR avait Bené Pérez, Piquel qui. Je sais pas s'il a fait un bon match, Charles Piquel encore. Mais encore un mauvais match. Hein. Charles Piquel, c'est compliqué. Hein. C'est dur, je sais pas comment le faire jouer Piquel. Bon, Nestor Monfray, au moins mon bleu, ça passe. Mais bon. Bon, après, il est pas affûté, hein, Jordi Gaspard. Bon, on va dire ça passe. On va dire ça passe. Tactique comme ça. Avec Loris Nery plutôt que Abou Demba sur le banc. Ouais. Florent Michel plutôt que Belmont. Et ok. Ok. Allons-y. Putain de Blandford, Middlesbrough. On ira peut-être dans un autre championnat. Plus tard. Après Grenoble. Mais j'ai hâte de voir où on pourra aller. Faut déjà se faire un peu de réputation parce que, ben, je rappelle, voilà, Pochettino, il a pas de réputation. J'ai pas demandé à passer mon diplôme continental pro, va falloir que je demande. Dès que j'aurai quelques bons résultats, je demanderai aux dirigeants. Mais ouais, va falloir monter la réputation. Idéalement, gagner un trophée. Gagner la Ligue 2 et la Coupe de France. C'est les cheat codes. Hein. Gagner Ligue 2, Coupe de France, cheat code. Ma carrière avec Caen, quand j'ai fait le doublé Ligue 2, Coupe de France, ben, j'ai fini à l'OM direct. J'étais un mec avec des petits diplômes, aucune réputation, fini à l'OM. Direct. Juste parce que remporter la Ligue 2 Coupe de France, direct. Toujours pas de joueur avec les U19. Non. On a Sochaux qui arrive. Ah, le match contre Sochaux, ça fait mal parce qu'il faut absolument le gagner, mais vous irez voir la VOD du dernier stream. Il y a le petit maillot de Sochaux quand même. Hein. Oh, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Un Grenoble-Dunkerque. Malik Tchokounté, ils ont Malik Tchokounté, let's go. Il y a Malik Tchokounté à Dunkerque, incroyable, ils ont Malik, exceptionnel, il est là, il est de retour, oh le Malik. Il est de retour. Oh, quel... Il est de retour Malik. Moussa Djité, mais ça son problème à Moussa Djité, c'est qu'il a la connaissance tactique, elle est dramatique. Hein. Dramatique les petits potes. Hein.
C'est pas grave. Alors que Jordi Gaspard, lui, il a jamais joué, c'est parti. Allez. C'est mon petit côté lyonnais qui fait jouer Jordi Gaspard. Trois joueurs, manque de connaissances tactiques. Let's go. Mec, spy. Il y a Malik Tchokounté. Il est là. Il est là, Malik Tchokounté. Il est titulaire. Il est titulaire. On va le marquer. On va pas se mentir. Alors, comment on fait tactique C'est particulière. Malik. On a peur. Hein. Faut voir ses stats dans le 21. Oh là là, regarde-moi ça. 16 dans l'équilibre, 17 en puissance, 15 dans le vertical. Quelle tête physique. Et quelle technique. Quelle technique. Un joueur si technique, Malik Tchokounté. Énorme. Par contre, il a 7 en volume de jeu, c'est pas mal. Hein. En vrai, j'aime beaucoup les attaquants comme ça. Juste très physique, très grand. Toujours très fort. Hein. Oh, Malik. Malik, il faut le marquer. Hein. Parce que Joris Romil, il me fait moins peur. Hein. Comme ça, c'est pas mal. Ouais, la 4-4-2, j'aime pas mettre des courses particulières. C'est très bien contacté. Ok. On va me dire que je prends à vous. Allez, les petits potes. On va aller taper Dunkerque. C'est maintenant. Ne surtout ne laissez pas Tchokounté nous mettre de but, hein. Pas de corner. On ne concède pas de but arrêté. Sinon Malik va nous la mettre au fond. Patient, on parle en résumé. Ok, on domine pour l'instant, c'est bien. On domine Dunkerque. Ça fait plaisir. Même si les stats sont pas au rendez-vous, Jordi Gaspard qui ne répond pas présent. Mauvais pari, hein, Jordi Gaspard. Allez, mon Jordi. C'est avec Bosca, ça peut partir. Pour une Dunkerque, quoi. Avec Kebal, bien trouvé sur le côté. Il y a un peu d'espace. Kebal qui va repiquer dans l'axe. Décalé sur Bosca. Bosca qui peut s'avancer. Bosca qui peut aller provoquer. Bosca sur le côté. Le bon centre est Malik. Magnifique tête de Malik Tchokounté. Oh, quelle tête, hein. L'ange s'est envolé. Quel homme, quel ange. Mais j'ai déjà demandé de marquer Malik Tchokounté. Corner pour le FC Grenoble. Enfin, pour le FC Grenoble, pas du tout. Le Grenoble le fout de 30 ans. Mais le bon centre. Anani. Ils se sont trouvés. Et Adil Anani qui est rodé au second poteau peut la mettre au fond, il était oublié. Anani est sur ce corner rase dans le Yorick Travet. Regardez-moi ça, on s'est raté la défense et Anani. Où était Tchokounté en défense là? Il n'était pas là Tchokounté. Quelle tête il nous a mis, hein. Quelle tête il nous a mis, c'est une Malik Tchokounté. Ok, nice. Et ben, let's go. Relâchez pas. Relâchez pas les petits potes. Tout ne pas se relâcher. Tout ne pas se relâcher. J'ai cru que c'était un supporter, c'était la musique. Un ami qui remarque, du coup ça fait plaisir. Jordi Gaspard qui va vite sortir. Ravet qui est déjà en PLS. Hein. Ravet c'est mon arc carry mais. Et Benet nul hein. Nul Benet hein. Nul. Ah, par contre, Jordi Gaspard, il faut désolé, mec. Hein. T'as beau être lyonnais, à un moment, quand t'es nul. Hein. Je vais voir faire rentrer Loris Nery. Quand je vais voir rentrer Loris Nery à ta place, c'est chaud. Ouais, c'est beau ballon, ça. Viens, Jordi, continue, Jordi, dégage. Sors du terrain. Sors tout de suite du terrain. Ne la donnez pas à Jordi Gaspard. Ne la donnez pas à Jordi Gaspard. Ne la. Non. Oh, Ravel, l'ouverture. Bosca là qui fait une belle différence tout seul qui est dans l'axe. J'ai une date ici, faut pas qu'il y ait une différence qui se passe. Tchokounté. Ouh, le Malik. Oh, le Malik qui a de mettre son but. Le Malik. Oh, le Malik. Oh, il fait peur. Hein. Mon risque a du mal. Hein. Mon risque, on va lui demander de monter un peu moins. Allez, petit corner pour Ravet. Il va se mettre à serre.
Oh, la combinaison, on a failli se piéger là. On a failli se faire piéger sur cette combinaison. On avait la PS, hein, j'ai pas voulu partir comme ça. On s'est fait un bon match. Le match de Sochaux derrière. Faut rester en. Il faut rester solide. Et Benet, on va leur sortir aussi Benet. Parce que de toute façon, il est pas bon. Il est pas bon, mec. Mec, t'es pas bon en fait. Hop. On va défendre avec Tapoko. Allez, 10 minutes à tenir. 10 minutes à tenir. On va baisser le rythme. On va gagner du temps. On va ralentir. On va rester en place. C'est parti. Allez, on fait tourner. En match tranquille, on a marqué sur un coup franc. On a stoppé Malik Turkunte. C'était le but, l'objectif du match. Pas maintenant. Pas maintenant. C'est bon. On va s'arrêter, on va s'arrêter. On se l'arbitre. Let's go. Dunkerque n'aura rien pu perdre. Let's go. Ça fait plaisir. Bien joué, les gars. Bien joué, les gars. Là, ça fait 3 points. Match parfait. Je pense que c'est un match. Quel succès. Match parfait. Jouer un match de compétition sans concéder de but. Ah parce que du coup en 3 heures de jeu on n'avait jamais fait un match sans concéder de but. D'accord. Bah ok. Et bah énorme. Et bah yes. L'état de la défense de Grenoble. C'est bon ça, la petite victoire contre Dunkerque. Là on revient à 1.2. On reste à 4 points de la zone de relégation. Parce que Sochaux a gagné aussi. Yes contre Le Havre. C'est cool, là, Le Havre et Niort qui se font enfoncer. Un petit point d'avance sur Le Havre, ça fait plaisir. 7 points d'avance sur Niort. On est bien là. Franchement on est bien. On est pas mal. Let's go là. La réussite du côté. Ouais, hold up, c'est bon hein. C'est bon le hold up hein. Dunkerque est en série d'invincibilité quand même, Dunkerque. Hein. Franchement, belle perf. Et là, faut juste aller taper Sochaux. Ah, ça me fait mal, mais il faut taper Sochaux. Nathan Phillips qui a reçu des offres. Il était sur ma liste lui, Nathan Phillips. Offre de quoi? Offre de prêt qu'il a reçu là? Ah non, vraie offre. Ah, il est pas mauvais hein, il est même très bon. J'avais fait un rapport. Pour 100K. Ah, c'est un joueur que j'aimerais bien dans l'équipe, Nathan Phillips. Hein. Nathan Phillips. Pas mal, bon là on peut pas se le payer malheureusement. C'est comme ça, on peut pas se le payer. Un rapport sur Sochaux. C'est vrai qu'il y a cet effectif avec Maquet, Djouf et tout. En vrai, c'est accurate, c'est le bon effectif. Sachant que l'effectif de Sochaux change tous les ans, littéralement. Pourquoi Mehdi Janin, par contre? Ils ont plus Maxence Prévost? Ah ouais? Ils ont plus Maxence Prévost. Ils sont bons, hein. Florentin Pogba, évidemment. Liste des transferts, Mole Tennis? Ah ouais? Intéressant ça. Mole Tennis sur la liste des transferts. Pas mal. Adamanian qui est là aussi. Qui était à Charleroi, c'était une 2 à 3. Non, par contre, ce que je voulais voir c'était Maxence Prévost. Il est parti où? À la Fiorentina? Bon, dis donc. Bah, ça va, 1,6 million. Let's go. Après avoir fait un début de saison catastrophique. Ok, bah, let's go. Parti en Serie A, Maxence Prévost. Ok, bah, let's go. Let's go, Maxence. Propre. Il va cirer le banc, mais un petit moment, mais bon. Si tu veux, ça me va. Julien Stéphane renvoyé de Rennes. Et qui Oscar Garcia, Antonetti, Sagnol. Ça me fait mal de le dire, mais pour l'instant, on ne peut pas rivaliser avec Antonetti et Sagnol. Pour le poste. Ça, c'est quand même terrible de ne pas pouvoir rivaliser avec Antonetti et Sagnol. Ça fait mal, mais bon. Là, par contre, on va demander un signe d'entraînement juste tactique. Bossez sur la tactique, s'il vous plaît. Et après, sur la défense. Merci. Une semaine tactique, une semaine défense. Et après, on va essayer d'aller jouer la SSE en Coupe de France. Sochaux qui est sur une bonne forme. Nous aussi, on est sur une bonne forme. Nous aussi, on est en bonne forme. Sochaux favori quand même. Match à Bonal. Let's go. Bon, je suis supporter de Sochaux. Ça me fait du mal. Nathan Phillips. Ouais, Nathan Phillips, on va pas pouvoir le gars. On va pas pouvoir.
Donc on va peut-être le garder. Bien sûr qu'on a nos chances. Et Omar Daf qui a fait un début de saison catastrophique avec Sochaux, qui est toujours en poste, ça m'étonne. Mais il devrait pouvoir remonter Omar Daf. J'espère que Sochaux va se maintenir quand même. J'espère prendre les 3 points et j'espère que derrière Sochaux va se maintenir. Ça me ferait mal à mon petit cœur de supporter. Allez, let's go là. 22 décembre, petit match avant Noël. Il joue très défensif hein, quand même. Hein. Ah, Weisbeck, Soumaré, Nyan, ça fait mal ça. Tactique probable là, ouais, avec Makedjouf comme ça au milieu. En meneur de jeu en retrait. Ok. Avec Florentin Pogba, pardon. Florentin Pogba en latéral offensif, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Avec ses 16 en puissance là. D'où il est. D'où il est latéral offensif par contre. Putain, mais ils lui ont mis 13 en centre et tout là. Oh là là, mais les gars. Surcoté hein. Moi, j'adore Florentin Pogba, mais. Mais au centre quoi. En charnière centrale quoi. Pas sur les côtés. Anani toujours en point. JT c'est compliqué hein. JT. Ouais, quand on voit Diallo, Diallo est peut-être meilleur hein, quand même. Bon, Gaspard, dégage. Pas se mentir. Essaye de remettre à bout d'Emba. Hein. On est face au 19ème de Ligue 2. Faut coucher un peu. Benet. Ouais, c'est Mezzala. Comme ça, hein. Je fais des tests, hein, comme ça. Random test comme ça. Après, il connaît pas la tactique, hein, comme ça, en Mezzala. On va essayer d'aller les chercher. Alors, eux, ils vont tenter de nous prendre. On peut aller les chercher plus haut, mais attention, en normal. On va les forcer à jouer sur les côtés. On va pas laisser Weisbeck et tout revenir. Ok, j'aime bien comme ça. On est pas mal là. Je regarde le banc, c'est bon. Ok. On n'est pas sûr que c'est le long titulaire ça. On va voir. Ok, avec un Mezzala, on va voir si ça passe. Je suis pas sûr, hein, mais let's go. Place mon blabou de balle avec Nestor, mon frère, mon Brice. Let's go. Paikela, Moltenis Didjou, le Pitouf Makedjou, c'est ça, avec Soumaré, Weisbeck, Nyan. En attaque. Crispedia. Montrer comment t'es ça marche toujours ça. Ils adorent le jeu. Consigne particulière. Mais du coup les frérots, Nyan vient de vous le marquer, Weisbeck Soumaré, vous ne laissez pas avancer, c'est les deux âmes créatives de ce show. J'adore Soumaré et Weisbeck IRL, c'est vraiment ils sont incroyables. Les deux sont incroyables, Soumaré et Weisbeck. Hein. Ils font bien ce show. Et Makedjouf, marquez-le en vrai. Marquez-le frérot Makedjouf. Hein. En vrai non parce qu'on va juste balancer des grands ballons devant. Pas trop besoin. Pogba attention parce qu'il monte. Hein. Pogba attention parce qu'il monte. Ah, ça devrait le faire. La tactique de Mardaf me fait pas trop peur. Je vais pas vous mentir, je pense qu'on a plus de peur. Je pense qu'on va bien pouvoir la contrer. Allez c'est parti à Bonal. Ça ressemble pas au stade Bonal évidemment. Comme tous les stades de Football Manager qui ne ressemblent pas à la réalité. Malheureusement. Mais il y a des modes sur le workshop pour avoir les vrais stades. Hein. Des trucs qui ressemblent. Mais les modes sont hyper lourds, genre, ça fait plusieurs gigas et tout. C'est mais ça existe. Quelle intervention défensive du milieu défensif suite. Et on peut repartir. Tranquillement. Le Grenoble. On presse pas. Il y a des presses sur le côté. Anani qui descend pour prendre le ballon. Il circule bien. On touche de balle. Allez. Parce que sur le côté, Piquel qui tente, Travet, il n'y a pas hors-jeu, Yuri Travet. Hors-jeu quand même.
Il y a hors-jeu quand même. Au rabais, le bon coup franc dans l'axe. Ça partait bien. Et la parade de Medigiana qui est déjà chaud. Déjà chaud. Et Charles Piquel qui nous fait un gros match aussi. Ça fait plaisir. C'était le point d'interrogation de l'équipe un petit peu, Charles Piquel. Et il fait un bon match. Yorick Ravel, notre hard carry, toujours là. Il est déjà en PLS par contre, mais qu'est-ce qu'il est bon, Yorick Ravel. Qu'est-ce qui nous fait plaisir. Ok, on domine pour l'instant. On ne voit pas le jour. On reste en prudent, mais je pense qu'il va être le moment de passer en équilibré. Hein. Ouais, ce show, il ne voit pas le jour. Attention, pas de pike. Il faut s'avancer. Attention, pas de pike qui peut provoquer. On est vite. On a fait tout ce bien en avant. Il n'a pas touché le ballon. C'est bien, on ne laisse pas évoluer, on ne laisse pas les espaces. Malheureusement, effectivement, on est un peu zéro nous aussi. Les deux attaques qui ont beaucoup de mal. On va repartir là-dessus. Mon Diallo, Monbris 6-5. Ah, Monbris 6-5. Hein. Monbris 6-5. Hein. On va avoir besoin d'aide de Abou Denbar en attaque. Hein. Projet de toi, mon petit. Piquel sera là pour compenser. Hop, allons-y. Yo, Pika. J'espère que tu vas bien. C'est un bon samedi matin. Enfin, samedi matin, il est bientôt midi. Donc, plus pour samedi matin, mais allez, on repart, il faut aller chercher la victoire face au FC Chouchoumont Béliard. Pour le dresseur Maurice Pochettino, pour sauver Grenoble, et pour se faire un nom dans le niveau de coaching footballistique avec Benet. On sent du terrain, un peu décalé pour Ravet, avec un peu d'espace, Ravet qui va provoquer le bon ballon, devant le coup de génie de Ravet pour un ami. Et la petite frappe derrière, petite frappe, hein, littéralement. C'est un peu pas de jamais. Alors qu'on vient de sonner chez moi, je ne sais pas si mon colocataire est réveillé, s'il peut aller ouvrir. Mais ça vient de sonner. Attendez, j'allais voir. Ça vient de sonner chez moi. Je vais voir si mon colocataire est réveillé et il peut ouvrir. Sinon, je vais quand même aller ouvrir parce que je crois que c'est un colis important. Je reste à l'affût, ça devrait ressonner. Incroyable, ce colis qui va arriver. Je sais pas ce que c'est, je sais pas du tout pourquoi ça sonne. Peut-être juste un voisin qui voulait rentrer, qui avait pas les codes. Ça va, merci, je prépare la prochaine session de jeu de rôle pour mes joueurs après l'idée de scénario que j'ai eu. Let's go, ça c'est trop bien quand t'es MJ, que tu trouves l'idée. Tu trouves l'idée, tu joues, tu trouves l'idée, tu crées le truc. Ça va être sympa. J'ai jamais été MJ, mais je pense que j'aimerais bien essayer. Vous allez célébrer le but parce que je suis en retenue son saut, mais pas du tout. On joue vraiment, nous. Oh, et puis, on est sur un son de courant, un peu de bac, s'il vous plaît. On va voir pour ça qu'il y a un peu de bac. Je vais la mettre au fond. Non, c'est trop orgueilleux. Sur la première frappe cadrée, mais c'est Chalmé qui nous fait mal. C'est un jeu de rôle que j'ai fait moi-même dans un univers où les Pokémon trop de robots sont en train de... Ouais, tu m'avais dit, oh putain, c'est dommage. Et ça a mené la contre-attaque avec Westbeck. Attention, Westbeck, faut l'arrêter, hein. Westbeck, faut l'arrêter. Oh là, non, mais là, c'est. La Nestor, c'est trop arrêté. Intéressant, c'est pour nous. Attends, déjà. Hein. Alors, j'ai pas ouvert finalement. Non, j'ai pas coupé le micro, pas la peine. J'ai pas ouvert avec ma veste. J'ai pas osé. J'ai posé la veste juste avant d'ouvrir. J'ai pas osé ouvrir au livreur avec la veste. La vérité est que je ne sais pas ce que c'est. J'ai oublié. Bah écoutez, on va faire un unboxing. On va faire l'unboxing en attendant la fin du match. Attendez. On va faire l'unboxing. Parce que là, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai reçu. C'est improbable de recevoir des trucs en live comme ça.
J'attendais quoi? J'attendais une paire de chaussures. Mais ça, c'est pas une paire de chaussures. C'est... ça a l'air d'être un vêtement parce que c'est assez pliable. En même temps, il y a un petit côté solide. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai acheté? Le mec qui achète trop de choses, un paquet de C4, c'est un colis piégé. C'est un colis piégé. Pas du tout. Pas du tout. Unboxing. Ah oui, oui. Ah d'accord. Ah d'accord. Ah ok. Alors, ça c'est très drôle. Là on a un splitter USB. Je sais pas si ce genre de choses marche. Je sais pas si ce genre de choses marche, mais ça coûtait 2€ parce que j'ai un laptop et j'ai que 3 ports USB, c'est pas assez. Je ne sais pas si ce genre de choses fonctionne. Mais écoutez, ça a coûté 2€. Donc je l'ai pris. Et ce qui est très drôle en fait, c'est que je l'ai acheté sur Shein. Donc Shein, la marque de vêtements pour femmes, qui fait aussi des vêtements pour hommes désormais, qui a une collection hommes, et qui vendent ça. Genre Shein, ils vendent ça. La marque de vêtements, ils vendent ça. Ils vendent ça. Et du coup, j'étais sur leur site, ça coûtait 2€. Et il y avait, je crois, 5€ de frais de livraison. Et si tu payais 20€, tu avais les frais de livraison offerts. Donc, je me suis dit, bon, écoutez, tant qu'à faire, je prends un vêtement, genre je prends un sweat, voilà, je me suis en mode, ouais, en plus il me fallait un sweat, donc écoutez, je prends un sweat, comme ça j'ai ça en plus, et pas de prêt de livraison, et c'est cool. Bah du coup, le boxing du sweat est incroyable, si vous mettez instant mode, bah je vous mens pas, c'était bien Shein, hein. C'était bien Shein, voilà. Shein, pour la collection homme, écoutez, j'ai jamais pris de vêtements chez eux. Par contre, l'emballage est stylé, genre le petit... Brian Boxing, là je me sens influenceuse beauté, je vous cache pas. On se sent influenceuse beauté. Avec du coup le splitter USB qui va me permettre du coup en live de pouvoir mettre par exemple la manette, mon clavier, mon micro et ma caméra. Parce que j'ai que 3 ports USB, donc vous calculez. Si je veux mettre une manette, je suis obligé de sacrifier le clavier. Donc je sais pas si ça marche vraiment, mais si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Si ça marche pas tant pis. Alors... ta 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 ta. Voilà, bah c'est un petit sweat. J'ai le pris en L, c'est une taille au-dessus. Je l'ai pris un peu large. On verra ce que ça donne. Il m'a l'air court en longueur, par contre très déçu. Genre moi, quand je prends L, j'ai juste envie qu'il soit long en longueur et étroit en largeur pour faire face à ma carrure fragile. J'ai l'impression qu'il a la mauvaise coupe. On verra. Je serai off-cam. Écoutez, énorme, on reçoit des coups en direct. Exceptionnel. Exceptionnel. Merci Shein du coup pour ce sweat et ces splitters USB. Je sais pas pourquoi vous vendez des splitters USB le mec, mais écoutez, merci. Merci. Incroyable. Écoutez, les frérots donc qui vendent, les frérots de Shein qui nous livrent et qui nous donnent un survêt et un splitter HDMI. Un splitter USB. Donc Shein, marque de vêtements pour femmes qui vend donc des survêts pour hommes. Et des splitters USB aussi. Merci les gars. Vraiment, vraiment le sang. Vraiment le sang. Incroyable. Allez, en retour en match. Fini l'influenceuse beauté. Retour en match. Avec ce match où Sochaux qui est en train de voler le match. Il faut qu'il fait mal sur un centre de Florentin Pogba. Je vous avoue que j'ai mal. Le centre de Florentin Pogba qui... pourquoi Florentin Pogba joue latéral offensif? Je ne sais pas. Mais il fait très mal à Issouma sur le côté. Papaye, est-ce que ça va refaire mal encore un deuxième centre? Il y a l'autre qui interpose, mais Papaye qui tient bon. Papaye qui joue sur Mombris en deux temps. Le petit 1-2 avec le joueur Gonoboa, ça passe pas. Et là, il gère avec un nouveau match avant tout, ce qui est notre Arkari Ravek en PLS. Alors, on va peut-être faire rentrer Moussa JT. Hein. Peut-être faire rentrer Moussa JT pour que j'aille des mêmes. Voilà. Et il est quoi là? Ouh, il y a un arrêt de Medijana, je crois. Encore là. Medijana, il est là. Hein. Il est présent. Hein. Il est présent, Medijana. Oh, il est présent. Allez, avec Piquel. Piquel qui peut s'avancer. Piquel, le bon appel de Benet dans la profondeur là. On va tenter. On tente, hein, mais. Ça passe pas, hein. Piquel qui fait un bon match, mais qui est fatigué. On va essayer de le pousser jusqu'au bout. Allez, on lance Benjamin, longue relance. Westbeck qui s'impose dans les airs, qui peut lancer Nian dans la surface, mais heureusement. Enfin, je crois qu'on ne peut pas avoir. Et ça dégage. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Match 76ème.
Jesse Benet qui est fatigué, Charles Piquel qui joue bien. On peut passer en 4-2-3-1. On peut passer en 4-2-3-1. J'ai pas envie de. Je sens qu'on peut. On peut pousser. On peut pousser. On va laisser Perez. On va changer. Bah Benet. Non, on va même pas changer Benet en fait. Hein. On va mettre comme ça. Piquel, Perez, Benet. Diallo attaque un peu. Anani, tout ça. La famille. Montbrice va falloir remonter. Désolé, mec. Et let's go. Et let's go. On passe en offensif. Et ça part. L'altéro sans difficulté quand même. Hein. Tout comme mon attaque. Hein. On va voir. On va passer en 4-3. On va voir si ça passe. Mais du coup, est-ce qu'on joue vraiment plus direct? Ouais, si. Juste plus direct avec un joueur en 10. Ça me va. Je pense que ça passe. Pas opti, mais ça passe quand même. Peut-être un changement, moi. Peut-être un deuxième, c'est tout le temps. Qui peut percer le bon centre pour Brian Lam. C'était dangereux. Heureusement, le gardien était poussé. Nani, ça passe pas. On a David Denen qui n'attend que de rentrer en jeu. Qui c'est que j'ai en 10 hein. Pas grand monde. Par Florent Michel. Qui avait fait un bon match, Florent Michel, en Coupe de France. Peut-être lui donner sa chance. Nos deux milieux font un bon match. On va pas les changer. Et on va peut-être changer Montbrice qui est en difficulté sur son côté gauche. Peut-être que Hakim Abdallah pour apporter un peu de son neuf. Allez, le changement. Double. Double. Excusez-moi. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, les expected goals à 1,35 quand tu fais un peu voler le match contre le Sochaux. C'est pas bon. Sochaux qui est monté au classement là. On n'a pas le droit de perdre 3 points contre Sochaux. C'est un match contre un rival au maintien. Aïe, 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 aïe. Ah, ça fait mal. Hein. Cette défaite elle fait mal. Bon, on a eu des bons résultats, hein. Un peu chanceux, mais là. Ah, c'était la clim. La clim. Enfin, on a vu un 0 qui s'affichait un peu trop. La clim parce que Sochaux du coup remonte à 1 point. Et du coup, je suis plus qu'à 1 point de la zone rouge. Bon, après, on est qu'au 18ème match. Mais on va être à la mi-saison bientôt. Il n'y a plus qu'un match avant la trêve. Mais ouais, c'est dangereux. C'est dangereux. Après, il y a le Havre et Nord qui sont perdus. Donc, au pire, on a les barrages. Mais voilà. Notre objectif, on rappelle, c'est éviter la relégation. Mais là, on est pas mal. En vrai, on est pas mal. Je pense que je me fais pas trop de soucis. Faut juste pas trop perdre. On a battu Dunkerque. Maintenant, on va pas falloir. On avait battu Rodez aussi, je crois. Enfin, il faudra pas perdre face à Rodez quand on va les rejouer. Parce que c'était le bot. Hein. On était pas encore à Grenoble au moment où on les a joués. Parce qu'on arrivait à Grenoble il y a 5 journées à peu près. Grenoble qui était 19ème. Et notre but, c'est donc de les sauver. Défaite imméritée, ouais, après qu'est-ce que c'est le mérite hein. On peut faire des débats philosophiques sur ce qu'est le mérite ou quoi. Yorick Ravet a commis une énorme erreur qui a coûté la victoire à votre équipe. Cela l'a-t-il touché? Oh non, mais Yorick Ravet en même temps, c'est mon clutch player, regardez-moi ça. Regardez-moi ses stats, je peux pas lui remettre la faute. Je peux pas lui remettre la faute sur lui. Il est trop bon. Ok, là du coup, on n'a pas de match de Ligue 1. La Ligue 1 qui reprend le 5 janvier avec Clermont. Et du coup, là, match de Coupe de France face à l'ASSE. On va bosser notre tactique défensive. On va bosser notre tactique défensive. On va essayer d'aller les chercher haut. On va essayer d'aller les chercher haut un peu. On va essayer d'aller les chercher haut. Défi physique. Oh, quoi que fasse une équipe de Ligue 1. On n'a pas un effectif très agressif, je crois, à Grenoble. Hein. On peut voir, Manuel Perez 12, Benet 8, Charles Piquel 13, Rick Ravet 16. Oh, allez, si, quand même. Mettez un petit engagez-vous plus. Défi physique à la SSE. Regroupez-vous, évidemment. Quoique, non, pas évidemment. Contrer, va falloir contrer, relancer vite. Les joueurs seront devant. Les latéraux vont plus marquer les ailiers, les latéraux vont rester devant pour se préparer à contrer. Passer dans les espaces, plus direct, rythme. Faites pas n'importe quoi non plus, mais dépêchez-vous de contrer. Soyez plus discipliné. Hop, voilà. Et là, on fait une petite semaine de travail. Andrea Barzagli. Oui, on a Andrea Barzagli en préparateur. Hein. On a Andrea Barzagli en préparateur. Parce que voilà. Ok, bon, on va faire le petit match de la SSE. Je pense après on verra ce qu'on fait. Il est déjà midi.
Il est déjà midi, on verra ce qu'on fait après. Mais au moins, là, c'est ça. Rafa. Mais c'est pas un joueur, c'est un coach. Il a une photo de coach, le mec. Rafa, 35 ans, vétéran. C'est en Inde ? Espagnol. Maja Honda. Ok. Rafa, ok, mec. Ravelozon, ouais, tout ça. Visconti, 31 ans. Pas mauvais, ça. Observer. Nguyamba. Ouais, bof. Mathias Fischer. Ouais, bof. Coupe de France, ouais, cool. Dressen. Boris Moltenis. Du coup, j'avais demandé s'il était bon, Boris Moltenis. Pas mal, surtout en fin de contrat. Peut-être pas trop cher, ça peut apporter de la profondeur au centre. Pas mal. Julian Dewez, ok. Il s'appelle vraiment Julian, quoi. Il s'appelle Julian. Ah, coup dur. Coup dur pour Julian. Samuel Llorca, 35 ans, on va éviter. Bof. Ah. Pourquoi pas. Yanis Clémentia, ouais, ben... Yanis Clémentia, quoi. Aldu Touré, ouais, ok. Bon, il y a des joueurs. On n'a pas trop d'argent, hein, c'est pour ça, les recrutements, là, on voit les gens, mais bon... qui tu veux recruter, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'argent pour recruter du monde. Alors. Pierre Garcia, il y a l'OGC Nice aussi. Il y a tant de postes que ça, là. Tant de postes que ça de disponibles d'entraîneurs. Je vais pas candidater parce qu'on vient de rejoindre Grenoble il y a 5 matchs, mais... ok. Ah oui, il y en a des postes disponibles là. Rennes, Bordeaux, Strasbourg, Nice, Niort, Villefranche pour Cambrai, Concarneau, Preston, Wolfsburg, Bayern, tout ça. Ok. Bon, c'est bien, on fait une petite semaine de préparation tactique, après une semaine de défense. Ah. Accélère ! Oui, il va aller la chercher ! Mais la Soundboard qui s'est lancée, mais je t'ai rien demandé, hein, petite Soundboard, hein. J'ai dû passer mon doigt sur le truc. Baptiste Mendy, il a reçu une offre combien? Prêt? Stade Bréochin, Orléans? Non, mais son contrat va se finir, on va pas l'amener en prêt. Baptiste Mendy, je le surveille, hein, parce que lui, il a des bonnes stats. Hein. Lui, il a des sacrées stats à 20 ans. Il a des sacrées stats. Et alors vraiment, s'il me laisse sortir et qu'il me laisse le prendre à 24 salaires, alors là... Ruiz, plusieurs offres. Syndicat, oh. Pas les tenir les syndicats. Hein. C'est compliqué les syndicats. Je ne savais pas qu'ils avaient pris des commentateurs de F1 pour commenter les matchs de foot. Bonne référence déjà, Pika. Pika qui a la ref. Et oui, non, mais le accélère, il y a l'accélère qui est passé. Heureusement, j'ai des commentateurs de foot en sous de bord, évidemment. L'ange s'est envolé. Toujours là. Bart Strahlmann, il souhaiterait être prêté. Est-ce que je peux le prêter? Donc j'ai Sylvestre Brack, j'ai Piquel. Ça reste pour le troisième central quand même. Hein. J'ai pas grand monde derrière. Par Chris Gauthény. Ah mais il est pas prêt à jouer en Ligue 2 lui. Hein. Jamais je le mets en Ligue 2 lui. Hein. On va demander à Mobley de résoudre le problème. J'estime que la compensation Mobley est en... j'augmente mes rapports avec Mobley. Et Strahlmann ne se quitte plus de son temps de jeu exceptionnel d'une pierre deux coups. Quel coach ? Quel management ? Au début du mercato et la SSE. Alors là, le mercato. Alors là, je vous avoue que le mercato, qu'est-ce qui va se passer ? J'adore le mercato dans FM, mais alors là, on n'a pas de joueurs à vendre, à part JT. Et il va falloir faire des bons coups, parce que niveau thunes, voilà, c'est pas la folie. C'est pas la grosse folie. Il va falloir faire mieux. Ruiz qui nous file sous les glisse sous les doigts. Il va falloir trouver des joueurs sans contrat en fait. C'est surtout ça le problème. En fait, ouais, il va falloir aller chercher les joueurs sans contrat. C'est pas le choix. C'est quoi mes affectations? Oh, ils ont déjà des affectations. Abdul Maïga. Milieu centre. Gros potentiel. Pas fou quand même, hein.
Summer's Dance. Les Bordeaux, Rennes, tout ça. On va pas candidater évidemment, on vient d'arriver à Grenoble. Mais le but de cette carrière, c'est pas de rester à Grenoble H24. On a envie de se faire un nom à Grenoble, de perfer, et après, pourquoi pas, repartir ailleurs en France, ailleurs en Ligue 1, ailleurs à l'étranger aussi. On a mis les 5 grands championnats. Donc pourquoi pas. Boris Moltenis, c'est bien, il est régulier. Il est pas cher, c'est surtout ça, Boris Moltenis. Intéressant, Moltenis. En plus, il est en fin de contrat. On va garder un oeil sur Boris Moltenis. Il est en fin de contrat, il est sur la liste des transferts, Moltenis. Donc, let's go. Après, on joue contre quoi? Contre Clermont et la SNL. Ouais, avec le ballon, j'aime bien. Si c'est l'entraînement de défense, là. On va presque enlever le repos, là. Il est de trop. Mais je vais pas trahir les entraînements non plus. Je trahir pas à fond. Nassan Phillips retiré de la sélection. Hop. On va. C'est bon, ça va. On va aller taper l'OMU 19. Avec notre équipe 2. L'Estralman, les Michel et le contrat d'Alaba et de Messi qui va expirer. René Girard, entraîneur de l'année. Et ben. Jean Ruiz qui fait déjà le. L'effet d'off. Jean Ruiz. Oh, il est d'accord pour discuter avec moi. Ok. Je note. Il y a déjà des discussions qui peuvent s'engager. Oui, par contre, qu'est-ce qu'il fout dans ma sélection, lui? Iglio aussi qui peut discuter. Moltenis. Jean Ruiz, c'est pas mal. Fais voir le rapport. Ne joue que d'un pied. Joueur régulier. Disputer les gros matchs. Ambitieux. Il ira bien avec Dominique Nestor et Monfray au milieu. Enfin, en défense centrale. C'est bien d'avoir un troisième central un peu pour faire tourner. Jean-Ruiz et Baptiste Amendy. Hein. Baptiste Amendy, une fois un meilleur de jeu en retrait défensif, là, il est parfait. Hein. Il est parfait, Baptiste Amendy. Hein. Par contre, le salaire. Je pense qu'il va devenir un gros salaire. Et surtout, ça va être la prime à la signature. Je crois pas que j'ai la thune. Hein. Je pense pas que j'ai la thune. Hein. On va voir, mais. Oh! Bien sûr que si, j'ai la thune. Oh! Prime à la signature de 86K, ça me va. Hein. Franchement, je le paye. Hein. Prime à la signature commission agent, si c'est que ça, si c'est 100K, je l'y paye. Hein. Je sais qu'il va y avoir d'autres offres, donc j'ai envie de dire ok. La clause de départ à 3,4 millions, ça me va. Ça me va. Pourcentage de la revente. Pourcentage sur la revente, par contre, on va se calmer. Prime de remplacement, tout ça. Montée de salaire, ok. Ok. Peut-être même monter ça. Franchement, moi, j'accepte ces termes. Hein. On va pas négocier à la baisse parce que bon, les JV à plus plus et on n'oublie pas Arnaud, révélation de ce Koh-Lanta. Let's go. Bisous, Spy. Alors, révélation, oui. Oui, mais pas FC Arnaud trop quand même. Je vais pas négocier à la baisse parce qu'il risque d'avoir des autres offres d'autres clubs, dont Orléans, Monaco, Fulham, tout ça. Donc j'ai envie de garder mon offre attractive. Et 20K, franchement, 20K pour un joueur comme ça, c'est pas cher. Hein. Moi, il m'a l'air vraiment très très bon, Baptiste Amendy. Donc on va pas trop négocier à la baisse. Là par contre c'est compliqué. Alors là c'est compliqué parce que Jesse Benet il est pas bon, hein, il fait pas une bonne saison, hein. J'ai pas envie de le payer 20K encore, hein. Pas très bon Jesse Benet. J'espère qu'il est à Grenoble depuis un petit moment, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué niveau contrat. J'ai pas envie de mettre de la tête dedans. Après voilà, les Abou Demba aussi, il faudrait les garder. Abdallah, je m'en sers aussi. Semedo, je m'en sers aussi. Nestor Bellet, Ondan, j'en ai besoin également. Il faudrait que je fasse un point en fait. Je vais attendre le mercato, je vais voir ce qui se passe. On va attendre le mercato un peu. Parce que là en plus, je propose des contrats, mais le mercato n'est même pas commencé.
Il a quand même fait un AVS versus une anguille. Oui, d'accord. Oui, d'accord. C'est vrai. Mais on a un mec qui a pris le feu à main nue. Hein. Ah, par contre, ouais. Là, les offres. Là, les offres de Newcastle. L'offre de Newcastle, elle fait mal. Hein. Ils sont en... Ouais, toujours en D1. Ah, l'offre de Newcastle, elle est intéressante. Hein. Mec, tu préfères Newcastle ou Grenoble? Bon. Allez, Batista, s'il te plaît. Ils l'ont lâché, quoi. Ils l'ont vraiment lâché, alors que c'est vraiment un bon jeu, non? Il a vraiment le bon profil, hein. Bon profil. Bon, le noyau dur, ça devrait le faire. Il a un bon potentiel. Déterminé. Il a des bonnes stats, en vrai, hein. Il a des bonnes stats très... Ouais, il a des bonnes stats. Il est physique. Il peut se défendre. Déterminé. Non, franchement, bonne stats défensive. En vrai, assez grand. Franchement, 20 ans, bonne stat pour la Ligue 2. Hein. Moi, je le veux. Hein. Je te veux dans mon équipe, hein, mon petit. Hein. Moi, je le veux dans mon équipe. Hein. C'est trop Visconti. 31 ans. Nul. Nils Kachner, gros volume de jeu, pourrait s'acclimater facilement. Il a un profil spécial, cet attaquant. Hein, avec ses 16 ans d'agressivité, 16 ans volume de jeu, 16 ans vitesse. En endurance, ouais, c'est totalement un attaquant de pressing, lui. J'en sais rien, c'est juste un attaquant de pressing. J'aime bien le fait qu'il ait 16 en vitesse, quoi. 12 en finition, c'est pas mauvais non plus, hein, même s'il a pas de technique. Au moins, il est rapide et agressif. J'aime beaucoup son profil, hein. J'aime beaucoup son profil d'attaquant de pressing à lui, là. Nils Kalschner. Par contre, à Bielefeld, il a pas réussi à s'imposer. Il était où? Il était à Leipzig, hein. Mais à Leipzig à l'époque 2015-2016, quoi. Et à Salzbourg. Ouais, c'est... Par contre, le truc stat carrière qui est partout, genre. J'ai 4 écrans stat carrière. Ça va aller, peut-être, non? Aurait besoin d'apprendre la langue. Ouais, mais il peut s'acclimater facilement. Pas très intelligent sur le terrain. Ah ouais? Ouais, effectivement, pas très intelligent. Après, c'est un attaquant de pressing. Ouais, il faut quand même qu'il soit intelligent, un attaquant de pressing. Sinon, on s'en fout. Vraiment, son profil m'intéresse beaucoup, hein, Nils Kachner. Franchement, dans Grenoble, je sais pas si ça marcherait très bien. Mais perso, dans mes carrières, ce jeune allemand, plus trop jeune, mais il m'intéresse beaucoup. Il m'intéresse beaucoup. On peut ajouter la sélection. Hein. Hop. Anand se distingue lors de la défaite de Grenoble. Ah bah yes, j'ai vu toute mon équipe 2, on a perdu. Énorme. Sylvestre Braque, quoi. Attends, ailier droit, pardon. Qu'est-ce que je viens de voir? Comment ça, entraînement ailier droit? Au poste d'ailier droit? Ah bon? Ah, parce qu'on entraîne ailier droit, là. Oh, bah, faut arrêter, là. Non, c'est bon, défenseur centre. Mais pourquoi ailier droit? Genre, il est nul en centre, il est pas très rapide. C'est juste un mec qui tacle bien, qui a une bonne détente verticale. Pourquoi vous voulez faire jouer là? Et quel est le projet? Quel est le plan? Quel est le plan? Il n'y a pas de plan. Ok, je pense qu'on va faire au moins la SSE et on va se laisser sur le début du mercato. Ah bah, sur Cardotto. On va faire au moins le petit match contre Saint-Etienne. Petit match de Coupe de France bien, bien tendu. Et après, à 9h ou 10h comme aujourd'hui. Donc voilà, 9h ou 10h. C'est marqué sur le programme. Le Royaume-Uni a quitté l'UE, les Jeux Olympiques. On s'en fiche. On s'en fiche. Ça ne nous concerne pas trop pour l'instant, à moins qu'on aille jouer en Angleterre plus tard. L'équipe de Grenoble prête pour son match en Coupe de France. La SSE qui n'est pas en grande forme. Hein. Comment ils jouent? 3-3. Ouais, 4-2-3-1. Avec Anthony Modeste, Kazri, Bouanga, Mouma. Trauco sur le côté. Ah non, je me vis 2021. Énorme. Ok, le match important là. Oh, Mendy qui part à Newcastle. Bon, il devrait aller avoir son permis de travail, je pense. Dommage. Dommage, Baptiste Mendy. Dommage, dommage. Après, il lui proposait 37 500 de salaire. Jamais il allait accepter Grenoble. Ok, bon. On pouvait pas trop rivaliser.
Moussa Djité peut jouer sur l'aile droite. Anani peut déjouer le piège du hors-jeu. Ah bah merci. Et Tomasi déborde ses adversaires. Parfait. Aime jouer à la limite du hors-jeu. C'est bien, mec. C'est bien, mec. Par contre, faut jouer. Par contre, les. Ouais. L'adjoint qui nous fait n'importe quoi au niveau des entraînements individuels. J'aime pas trop ça. Allez, on se fait Saint-Etienne. Et let's go. On va se les faire là, Saint-Etienne là. On va se les faire là. Willy Semedo. Pas très bon, Willy Semedo. Il est rapide. Rapide des techniques. Ça va, j'ai vu pire. Bon, par contre, les entraînements, il y a vraiment des mauvaises notes. Hein. Ça vient du fait que j'ai pas trop de préparateurs. Maybe. Ouais, ça vient. C'est vrai que la qualité des préparateurs est pas top. Hein. On a beau avoir Andrea Barzagli, qui est un carry de ouf en préparateur. C'est pas fou. Il y a encore un diplôme à passer. Allez, jour de match. Jour de match, début du mercato, début de janvier 2021. C'est le début d'un nouveau chapitre. Et on va clore ce stream là-dessus. Et let's go. Attends, début de saison. Oh. Combien de salaire en plus? Ouais, vous foutez de ma gueule. Vous m'offrez rien de plus en fait. Ah, quand même, 25K de budget salarial en plus. Je dis pas non. Hein. Franchement, je pense qu'on peut monter les attentes. Hein. On est ambitieux. On va pas éviter la relégation. On va éviter de lutter pour le maintien là. Là, franchement, on est parti. Hein. Allez. On est ambitieux. Et là, on a de la thune. Là, on a un peu de thune. On a débloqué 25K. Voilà, ça fait que là, on a 44 de salaire. Franchement. Lenny Leclerc, c'est qui? Ah, mais c'est performance, ok. Ok, mec. Jordi Gaspard a affiché des progrès. Ouais, mais il est pas très bon, hein, Jordi Gaspard. Ok, bon, on est pas mal. On a monté des thunes. Ça s'annonce bien pour le prochain mercato. On fait le match avec la SSE et on termine le live là-dessus. Bam. Rayon tactique. Propose de passer en prudent plutôt. Moi j'ai envie de passer vraiment en défensif. Hein. Avec Monet Paquet, Bouanga, Bajic devrait être mis en défense du coup. Debuchy, Kolodziejczak. Debuchy en centrale, ok. Avec Maston, Trauco, Youssouf Kamara. Benet Pérez, Piquel en défense. Pérez en défense. Benet en soutien. Ravé Diallo en attaque. Avec Anani. Mombris Abou Demba. Ils vont peut-être pas trop monter non plus. On va se calmer. on va rester en défensif quand même. Et on va garder la même tactique sinon. Bloquer l'axe. Forcer à centrer. On n'a pas des défenseurs qui sont bons en détente verticale, mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire avec mon bleu dans la surface. Allez. Un match de Coupe de France à gagner pour atteindre l'objectif dans cette compétition nationale. Mais là, c'est la SSE. C'est la SSE. C'est pas n'importe qui. C'est pas Rayo. C'est pas Valladolid. C'est la SSE. Allez, les petits potes. Bah, tu m'as son début psychologue, Djéjac, Proko, Kamara, Aouchiche. Aouchiche qui est titulaire. Et Kazri Bonga, Modeste. Ah, il rigole pas, c'est ça. Qui font très légèrement tourner, Claude Puel. Et face à Dresor, Maurice, Pochettino. On met l'équipe 1 aussi. Hein. On met l'équipe 1, évidemment. Ça va être un match compliqué, mais. Mais n'oubliez pas. N'oubliez pas, les gars. Que. Prenez des plaisirs. Prenez plaisir, petit pote. Je crois en vous. Je crois en vous, les petits potes. Allez. Prochaine particulière. On y va. Anthony Modeste, faut pas le lâcher. Anthony Modeste, c'est quel profil? C'est un pressing, non? Un pivot. Hein. Un gros pivot, Anthony Modeste. Ah, le pivot, ça m'énerve. Pas que je fasse pressing par le côté, moi. Ils vont mettre des centres sur Anthony Modeste et je vais voir fou. Hein. Quasiment, c'est compliqué aussi. Hein. T'as pas envie de le laisser jouer. Hein. Alors que bizarrement, Bonga et Bonnet Paquet, ça m'inquiète moi. Ça m'inquiète moi, les frérots, Bonga et Bonnet Paquet.
comme ça. Pour ça, je joue dans l'axe. En 4-3-3, en plus, jouer dans l'axe, c'est bon. Comme ça, on joue sur piquer les parages. Ok. Let's go à Geoffroy Guichard. En plus, on y va dans un stade de Geoffroy Guichard. Qu'est-ce que c'est quoi? Les gens adorent la Coupe de France dans la fin. C'est parti. C'est parti pour ce match. Enfin, c'est une équipe de Ligue 1, Masson qui fait déjà mal avec les premières percussions, mais c'est vrai, c'est sûr. Il pue. Ah, en tant que Lyonnais, j'aurais mal de perdre contre Saint-Etienne. Il faut se respecter. Allez, Perez qui directement. Perez, comment ça? Le ballon a été dégagé. L'arbitre, oh. Allez, c'est parti. Première touche. Agressive, pas de touche longue. Avec le Dumba, Ravet. Le Dumba qui a fait son plaisir, le tout seul. Oh, c'est bien Perez, d'avoir vu. On risque à l'espace. Le but avec Gallo. Le but avec Gallo. J'attends le deuxième poteau. Pagic crucifié. Pagic crucifié. Let's go. Tout simplement fabuleux. Ah oui, Richard, regarde ça. Tout simplement fabuleux. Exceptionnel. Exceptionnel. Ah, exceptionnel. Incroyable. Incroyable. Incroyable, exceptionnel. Oh lui Richard, fabuleux. Fabuleux, exceptionnel. Oh le son est toujours très fort par contre. On va en compte, mais allez, Abou Demba avec Ravet. Abou Demba, il est sur le côté, on met 1-0. On est en défensif, Abou Demba. Toujours, on conserve avec Bonnet, le centre à Nani. Doucement, c'est refusé. Oh le but du 2-0. Oh le but du 2-0. Oh non! Oh, c'est un là! Je ne vais pas avoir rien. Je ne vais pas rien par contre. Je ne vais rien, ok, va faire. J'ai réglé un peu le son. J'ai du mal avec le mixage son, avec ma table de mixage qui fait un peu de la zone. Allez, Perez, bonne récupération, ça c'est bien. Oh, ça relance à une touche de balle. Un peu rapide. Tranquille les gars, tranquille. Non, c'est pas trop vite. Allez, 1-0, pas de service, ça faut tenir. Une bonne gueule à l'espace, c'est mon bleu. Mon bleu qui ne se trouve pas. Let's go. Oh oui, Greg, il la sort. Oh oui, mais on pose Richard. Oh, et mon frère qui s'impose face à Modeste. Et bon gars qui repart, c'est pas sur son côté, il est gaucher. C'est bien, Ravet. Anticipé. Pourquoi il est droitier le bon? C'est juste qu'il joue bien par l'heure. Allez, c'est bien les petits potes. C'est bien les petits potes. Allez, on tient bon. On tient bon. Avec Mamadou Diallo, j'ai décidé de titulariser les bons choix. Les bons choix d'avoir mis JT sur le banc. C'était osé, mais il fallait. Même si à droite, on a fait mal. De l'air au Grenoble Foot 38, Camara qui repart avec Kess, mais ça combine, il y a un mauvais paquet encore, pas dans son match. Modeste qui dit qu'il devrait descendre très bas pour toucher les balles. Masson qui peut percuter sur le côté droit. Oui, mais c'est pas mettre la pression sur les Grenoblois. Kess qui tente le ballon sur Bourga et Brice Maubleu. Il ne se trompe pas. Grenoble qui reste en vie. Par contre, Ivan Masson, ouais, j'avoue que le frérot Ivan Masson, il fait que centrer, ça va faire. Le bras écarté. C'est un bon match, les gars. Bon match. Allez, on reste là-dessus, les gars. Allez, on mène 1-0. Passe à l'ogre stéphanois. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut voir. Allez, Bonga, tu pars sur le terrain. Bonga qui provoque. Bonga, il provoque beaucoup, mais il y a beaucoup de différence. Donc ça va, tout va bien. Il va nous travailler un coach player qui prend son match, mais c'est pas grave. On met 1-0. Il peut pas enchaîner, c'est concret. Allez. Remontez. Le bloc. Marcelo. Et Pochettino qui s'agite sur le banc. Ok, on peut passer là. Il suffit juste de gagner ce match, on a fini avec la Coupe de France. Ah, ce serait si bon de battre la SSR. Allez, il y a des coups, c'est bien. Il y a des coups, il tente de passer, la petite couche. Attention, on peut passer là.
facile parce que la Cadri va les provoquer. C'est un doute qui a cette capacité là. Et attention, je suis sur le côté. Bon gars, mais c'est bien. C'est bien. Aboudemba, quel match! Aboudemba qui lance un Nani. Exceptionnel cette balle! Aboudemba! Achille Nani! Et quelle balle! Quelle balle de Aboudemba! Oh, c'est exceptionnel! Tout simplement oh, c'est exceptionnel! Oh, oui, les gens, tout simplement fabuleux! Exceptionnel! Oh, cette récupération de l'Aboudemba. Grande balle dans l'axe entre les centraux de Bouchy, que des axes sont battus et Anani qui remporte en bien face à Magic qui est éclaté sur la Magic. Il s'appelle passé contre la fin d'un peu. Let's go, il est pas son 7. Ah, c'est pas bizarre ça. Il n'est pas pris de remplacement par contre. Parce que là, attendez. Ah, si, j'ai Tapoko. Parce que là, Jesse Benet fait pas un bon match. Donc là, on met. Tapoko, c'est la défense. C'est full défense. On remonte un peu Perret quand même, mais full défense, les petits potes. Full défense. Ravé, on peut mettre en soutien du coup s'il est un peu en difficulté. Là, on mène. Là, on défend. Là, on reste bas. Là, on défend. Et Maton qui passe, par contre, Maton qui passe. C'est Bouanga. C'est Bouanga. Heureusement que c'est Bouanga. C'est pas compliqué qui rentre. La passe de Benet, ça fait plaisir. Là aussi, Kamara qui est en point inversé. Sans PLS là les gars, allez c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi je peux. Pas de pression, pas de pression, les gars, pas de pression, pas de pression, pas de pression. Allez, toujours 2-0 pour Grenoble Foot 38 à la 73ème, et c'est ça qui ne trouve pas de différence. Et Perret là qui montre des défis physiques, Piquel qui s'impose encore une fois. Allez, on a fait le défi physique au Stéphanois. On est bien encore. Ouais. On va récupérer le ballon, belle récupération, t'as pourquoi tu peux mettre avec Raven, Nani qui enchaîne, Isaac qui panique et ça fait une touche pour le Grenoble Foot 38. Et ça nous permet de gagner du temps. Ah, désolé, on va gagner du temps hein, les petits potes. Hein. On va gagner du temps les petits potes maintenant. Hein. On peut gagner du temps maintenant. On peut gagner du temps. On va tourner le ballon un peu là. On va tourner le ballon les petits potes. J'aurais cravé qu'il y ait un petit peu de player, un jeu, un rouge. On va sortir aussi. Et on va rester sur le technique en 4-3-3 qui marche bien. On va garder cet effectif. Kikel est là. Tapoko est là aussi. Mais tout défoncé. Voilà, on va arrêter de jouer pas ça. Pourquoi ils sont aussi hauts? Pourquoi ils sont aussi hauts? Pourquoi mes latéraux sont montés autant? Pourquoi mon Brice Aboudemba ont autant monté? Aboudemba, faut que je le sorte. Hein. Il va se projeter. Hein. On va essayer derrière, les gars. Hein. Oh, pourquoi, pourquoi ils sont montés autant? Ils sont complètement. Heureusement. Heureusement qu'il se trouve, le petit pote. Un peu Bajic. Tiens, on se trouve déjà comme de Trauco. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Les Grenoblois sont bien regroupés dans leur moitié de terrain. Et la défense est solide, Bouanga qui tente une nouvelle fois une incursion comme il en a le secret, comme il en a souvent fait dans ce match. Et on regarde avec Macron. Et en parlant du loup, un Bouanga qui redonne l'espoir. Bouanga qui redonne l'espoir. 85ème, on va passer en très défensif tout le monde. J'espère que ça va tenir. Parce que à chaque fois que je passe en très défensif, ça tient pas. Allez, on va se faire punir. On va se faire punir. On n'a pas du tout de se faire punir là. C'est bon, on va s'imposer Correa. Crucifié. Ah, c'est ma faute. Hein. On joue défensif. Et à partir du moment où j'ai mis gagner du temps, le jeu me punit. Mais le jeu me punit. Le jeu me punit. En plus, j'ai dit à mes joueurs pas de pression. Le jeu me punit. Puni. Non, mais. Rien de plus à dire. J'ai été puni. J'ai été totalement puni. Totalement puni.
Oh, en plus, on se prend des prolongations du coup, alors qu'on a un match juste après. Ah, c'est dur. C'est très dur. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, si t'es sûr en fait. Je peux pas sortir Perez. Hein. Je crois que j'ai encore 5 changements. Hein, mais... La clim. La clim, la clim, la clim, la clim, la clim. Bon, on va pas perdre, hein. On va pas perdre la 94ème. Hein. Ah non, hein. Je préfère perdre à 94ème que perdre en prolongation, je vous mens pas. Oh, Mouma, c'est dangereux. Le bleu qui s'interpose. Oh, c'était le bazar, il y a eu des frames perdus, mais c'était le bordel. Allez, 20 secondes. Aboudemba avec la touche. J'en parlais en début de live, on s'est tout le temps remonté avec Grenoble, t'es un enfer, les joueurs sont pas concentrés. Et là c'est encore la même chose, on s'est remonté tout le temps. Faut siffler monsieur l'arbitre par contre. Et y'a pas de prolongation. Oh, y'a pas de prolongation. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas de prolongation. J'aurais dû faire mes changements du coup, j'aurais dû faire rentrer les joueurs. Plus de changements là? On va rentrer les joueurs qui n'ont pas beaucoup de sang-froid là. On va faire comment? On va faire Anani, Enen, Diallo, Perez en 4. Perez en 4ème tireur. Et un tireur décisif, Tapoko. Mais arrêtez de... Oh, c'est mal foutu ça. Mal foutu. Piquel en 6. Ensuite Nestor. Bon après... Allez. Avec Nestor. Mombris. Les mecs sont calmes. Les mecs sont calmes. Ok. Oh la pression hein. La pression avec Denis Bouanga. On change la caméra. Ah bon, j'ai pas mis le coup. La pression. La pression. Allez Perez. Perez, allez pour gagner ce match. Pour gagner ce match. On est mis 2-0, on s'est fait rejoindre. Ah, je prends le quand même si on perd. On prend le coup. Mon but, je suis de côté, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe. Oh, le pénalty tendu. Oh, peut-être à Ouchiche. Ah, mon bleu, il était dessus. Il était dessus. Il était dessus. Ah, il était dessus, il était dessus, il était dessus. Allez, Enen. Allez, Enen. Passe, allez mon bleu, allez mon bleu, il faut la sortir, allez mon petit, il faut la sortir mon bleu. On va tirer, on va tirer, on va sortir bien. On tire bien avec les Stéphanois, j'ai bossé les pénalties, j'ai pas bossé les pénalties d'entraînement. Comment ça rentre, le gars dans son but hier. Allez mon petit bleu, c'est ton moment, c'est ton moment. C'est bien ça. Ah, la pression. Ah là là, oh t'as beaucoup, pas toi mon petit. C'est cette confiance qui passe à Debuchy. Les mecs, ça passe quoi. La pression. On va le tir. On va être grenoblois.
sais pas quel est le Grenoblois qui va tirer, mais. Piquel, Piquel a fait un bon match. Allez, Piquel, je prends en toi. C'est du Gruyère. C'est du Gruyère cette séance. Avec Correa face à Maubleu. Allez, Maubleu, pour ton club. Le mec, il ne s'est même pas arrêté, il a juste tiré direct. Ouais, je suis à 7-6. C'est quoi cette séance? Oh bordel! Oh, cette séance de pénalty qui n'en finit pas! Oh, Kimi, Yokimi! Oh, ça ne finit pas! Ça ne finit pas! Ça ne finit pas! Oh, Mikanuma! Allez, mon petit! C'est pas possible, il y a 8 têtes! Il y a 8 têtes! C'est quoi cette séance? Alors, faut pas la louper! Si la loupe, c'est fini. On menait 2-0. On menait 2-0. On s'est fait égaliser dans les 5 dernières minutes parce qu'on est des teubés. Le jeu nous a puni. Allez, peut-être. On est les bleus. On est les bleus. Hein. Allez, mon petit. Allez, les bleus. T'en as pris 8 d'affilée. Il faut le sortir celui-là. Sans que le gardien. Ouais. Au milieu de la séance. Si seulement on pouvait. Mais c'est pas possible. Il y a 9-8. C'est quoi cette séance? J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Une séance de pénalty en 9-8. Ça veut dire qu'il y a eu 17 pénalty tirés, 17 pénalty marqués. Allez, mon frère. C'est pas. On arrive au gardien. Hein. Ça va être une autre gardien tirée. Hein. Ça va être bientôt gardien tiré. On note quand même, c'est cocasse que j'ai désigné que 6 tireurs. Je me suis dit, oh, ça ira pas au-delà de 6-7. 25 pénalty plus tard. 9-9. Aïe, aïe, aïe. Allô. Alors là, c'est à la fois t'as pas de chance, hein. Allez, mec, il faut la sortir. Oh oui, Greg, il la sort. Oh oui, va en poser Richard. Va en poser Richard. Pas du tout. Mais mon bloc, il laisse prendre. Oh, c'est ton moment. Oh, Boudemba. Pour sortir la SSE. Le petit grenoblois face à l'autre, c'était pas droit. Attends, attends. Et le pour la faute 38. Qui passe en 10e tour de la Coupe de France, qui atteint donc son objectif. Oh, les dirigeants vont être contents. Oh, parce qu'on s'est battu. Regardez-moi les notes de ces joueurs. On s'est battu. Hein. On méritait quelque chose de ce match. On a craqué, mais. Oh, cette séance. Incroyable. Quel exploit. Mais c'est. Quel exploit, mais bon, on menait 2-0 à la 85ème, quoi. Donc, vous avez le calme. C'est dur. Hein. Regardez-moi ça. On menait 2-0 à 85ème, 89ème, quoi. Hein. On se fait rejoindre, penalty, ça passe. Et quelle séance encore. Séance en 19 du coup. Il y a eu combien de penalty? Enfin, bordel. Mais du coup, c'était aux gardiens de tirer après. Hein. Là, c'était les gardiens qui allaient tirer juste après. Hein. J'aurais bien aimé voir les gardiens tirer quand même. Oh là 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 là. Ça passe. Et du coup, l'objectif des dirigeants, qui est d'atteindre le 10e tour, eh ben, vu qu'on vient de gagner en 9e tour, let's go! Ça passe. C'est pas trop compliqué à comprendre le jeu. En soi, non, parce que le jeu t'aide beaucoup. Au début, quand t'es débutant, t'as beaucoup de trucs qui sont par défaut ou qui sont prédéfinis, etc. Donc ça va. Et en soi, les tactiques sont. Il n'y a pas énormément d'options non plus quand tu vas dans les tactiques. Bon, bah, t'as ça, et t'as ça. T'as pas non plus 35 000 options. Après, voilà, je t'avoue que j'ai 2500 heures de jeu en tout. Donc, c'est sûr, à un moment, même moi, j'apprends encore des choses après 2500 heures. Donc, ce jeu est tellement complet. Mais quand t'es débutant, c'est quand même assez facile à prendre en main. C'est pas mal. Vu que j'ai le bras en écharpe, je cherche un jeu à la souris. Eh ben, si tu aimes les jeux de simulation sportive, même si t'aimes pas forcément le foot, si t'aimes les jeux de simulation sportive, ou de simulation, ou de management, bah là, c'est clairement la référence. Hein. Football Manager, c'est exceptionnel. Hein. C'est exceptionnel. Hein. Et oui, effectivement, ça se joue uniquement à la souris. Hein. FM. Là, j'ai 2-3 raccourcis clavier, mais genre, en vrai, je l'utilise jamais. À part la barre espace pour appuyer sur continuer, tu vois, genre, hop, espace. Mais sinon, tu joues 100% à la souris, FM. C'est ça qui est pas mal. Bien joué au foot, Kipo. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, même, j'ai beaucoup de gens qui n'aiment pas trop le foot, qui jouent à FM et qui aiment bien.
parce que c'est vraiment un jeu de simulation et de gestion qui est tellement poussé, qui est tellement ultra poussé, vraiment exceptionnel. Hein. Genre vraiment, c'est un jeu d'une qualité qui est inégalée encore aujourd'hui dans les jeux de simulation de sport, même dans les jeux de simulation et tout. Pour un jeu qui joue uniquement à la souris comme ça, très spécifique, hein, c'est très spécifique comme jeu. Il est vraiment addictif. Hein. Puis dès que tu t'y mets, c'est addictif. Hein. Moi, j'ai vraiment suivi le foot grâce à FM. Hein. Je ne suis pas un immense fan de foot à la base, mais déjà, j'aime bien le sport. Je suis en fac de sport quand même. Plus, j'ai joué de masse à FM. Du coup, bah, je m'intéresse au foot IRL. Et vu que je m'intéresse au foot IRL, bah, je m'intéresse à FM. Et ça fait un cercle vertueux comme ça. J'ai fait un an milieu de terrain. Ah oui, donc tu as quand même vraiment joué. Tu as quand même vraiment joué, du coup. Tu as vraiment joué, du coup. Ok, ben, let's go. Let's go, je peux te le conseiller. Franchement, FM, il est un peu cher, tu l'as dit. Attends, non. Ah, le 2020 était gratuit sur Epic Games, mais plus maintenant. Celui-là, je l'ai acheté, je crois, 30 balles, le FM21. Je te conseille d'acheter le 21 par rapport au 20, parce que le 21 a vraiment des ajouts qui sont super cool. C'est des jeux de simulation sportive qui sortent tous les ans, donc à chaque fois, c'est pas terrible. Enfin, je veux dire, d'année en année, il n'y a pas beaucoup d'améliorations. Mais entre le 2020 et le 2021, ils ont fait des grosses améliorations. Donc, je te conseille vraiment de prendre le 21. Le prendre le 21, tu pourras le garder quelques années. Je pensais qu'il coûterait moins cher. Ouais, ouais, ils se gavent, hein, FM. Hein. C'est tellement une licence qui est populaire qu'ils peuvent le vendre hyper cher. Et encore, je dis 30 balles, il est sur Instant Gaming, quoi. Sinon, sur Steam, il a 60 balles, quoi. Je suis sûr qu'il est à 55 euros sur Steam, quoi. Un truc du genre. Et il sort tous les ans. Hein. Il faut l'acheter tous les ans. Hein. Donc, ouais, c'est cher. Mais le 2021, tu pourras le garder quelques années. Après, je te cache pas que, bon, en crack, il se trouve, quoi, je pense. Tu veux le craquer, bon. Je n'encourage pas au crack, mais je pense qu'il est disponible en crack. Je ne me suis pas renseigné, mais je pense qu'il est disponible. Bon, cela dit, par contre, moi, j'avais dit que... Oui, 55, j'ai de checker. Ouais, c'est ça. Hein. J'avais dit qu'on finirait là, sur ce live, sur ce match. Mais alors, je m'attendais pas à ça. Hein. Mener 2-0. À Geoffroy Guichard, donc à Saint-Etienne, à la 85e minute, se faire égaliser, partir au pénalty, une séance en 9-8, la séance qui s'est finie en 9-8, c'était n'importe quoi. Ce match était n'importe quoi, et je pense que ça finit bien ce Live Football Manager. Comme ça, là, on est au début du mercato, on a débloqué un peu de budget, on a des joueurs à vendre, on va pouvoir s'amuser un peu sur le mercato, se renforcer son équipe, essayer du coup de ne pas jouer la relégation, de viser plutôt le milieu de tableau et de se mettre mieux. Et voilà, et tout ça, ce sera évidemment samedi prochain. Quoique, je dis samedi prochain, mais samedi prochain, je serai peut-être à Paris. Donc, si je suis à Paris, pas de live. Pas de live, ou alors je le fais vendredi soir. Mais vendredi soir, il y a Koh-Lanta. Mais du coup, je le fais vendredi après. Enfin voilà, peut-être le live dépassé, ou du coup, pas sûr qu'on se retrouve la semaine prochaine. Pas sûr qu'on se retrouve la semaine prochaine si je suis à Paris. Ce sera plus compliqué de live, à moins que j'ai mon matos et que j'arrive chez quelqu'un. En fait, je serai dans le train. Je prends le train samedi matin, du coup, Moi, je live dans le train, let's go, pris mon 4G. Je t'avoue que quand tu traverses la Bourgogne dans le train Lyon-Paris, la connexion, c'est compliqué. Bref, toujours est-il que on va mettre le petit écran de fin bien stylé, et puis on va se quitter là-dessus. Et Football Manager, ça reprendra, si ça reprend pas samedi prochain, ce sera un autre jour, c'est pas grave. Et ouais, semaine prochaine, il y a des live make-up prévus chez Seiya. Vous voulez faire un live coaching inversé où Anarchy me coach aux échecs et moi je le coach à Pokémon en VGC, mais ça se fera peut-être pas. Le live make-up par contre chez Seiya, il risque de se faire, let's go, ça serait bien, bien stylé, la bonne hype. Et, peut-être pas d'autres lives prévus, je verrai, des vidéos et tout ça, etc. De toute façon, les liens c'est dans le Linktree, faut que je mette en panneau Twitch mon Linktree avec tous les liens, ça sera plus stylé, même si les panneaux Twitch sont très mal à faire. Ok. PogChamp, bien sûr, PogChamp, bien sûr. Le live avec Seiya va être PogChamp. Si ça se fait, mais normalement ça se fait. Parce que du coup, je vais aller chez elle. Elle va me loger gracieusement. Quel srab. Quel srab cette Seiya. Quel srab. Ok, et ben merci d'être passé. Merci Kimi d'être passé du coup sur la fin de ce live. On avait dit qu'on arrêterait. Et voilà, let's go. Road to affilié. J'avais besoin de 7 jours de stream différents. C'était le 5ème. Encore 2 streams. Et puis on sera affilié, donc il y aura les petites émotes, tout ça, ça va être bien sympa. Je sais pas du tout quoi mettre en émote, je pense qu'on va mettre des trucs trolls. Émote Greg Coupé, on verra. C'est pas que j'ai pas d'idées, c'est que j'en ai beaucoup, mais il faut que je fasse le tri et que je vois ce que je vais mettre en émote. On verra ce qu'on fait. Lundi, par contre ça change pas, on l'a vu sur le petit programme qui est juste en dessous. C'est Pokémon, la suite du Nuzlocke, évidemment.
qui va continuer. Pokémon Noir de Blanc 2, on a eu notre deuxième badge. Et là, bah, objectif, on a Volucité. Objectif, taper la Team Plasma. Objectif, taper la troisième arène. Et voilà, taper Arty et continuer le Nuzlocke sans essayer de perdre plus de Pokémon. Puisqu'on est déjà en PLS, on a trois types feu. On a que trois Pokémon, c'est trois types feu. C'est un enfer. J'ai envie de me suicider. Même si la prochaine arène est une arène de type insecte, donc on est plutôt pas mal. Et voilà, fait comme moi, découpe une photo. Pourquoi tabasser des artistes, c'est bien. Clairement, Pika. Clairement, il faut aller tabasser les artistes avec Arty et tout. Ok, et merci à tous d'être passés. Merci Pika, merci Kimi. À très vite, à lundi soir, si vous voulez. Lundi 19h, suite du Nuzlocke. On va aller taper la Team Plasma et Arty. Et let's go, bisous. On se laisse sur le super écran de fin.